Bible. Let us open our Bible. Dans le livre de Matthieu. In the book of Matthew. Matthieu. Matthieu chapitre 9. Matthew chapter 9. En lisant. We read. Les versets 20 jusqu'au verset 25. Verse 20 to 25. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Dites Amen. Say Amen. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Frère Madame dit, le mot grec ici, says that the Greek word here, c'est sozo. It's sozo. C'est ça mon sujet de ce matin. That's my subject of this morning. Pour ceux qui vont suivre la bande, for those of you watch the tape, je sais que beaucoup de frères trouvent, je prêche des choses difficiles et ainsi de suite. Brothers think that I preach difficult encore, things. Où est-ce que tu as ça? They're like, where do you find this? Ça y est dans votre Bible. It's in your Bible. Et le prophète en a parlé. And the prophet spoke about it. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs des flûtes et la foule brillante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort, et il se moqua de lui. Quand la foule y est envoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille s'éleva et les bruits sont répandus dans toute la contrée. Matthew chapter 9 verse 20. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, if I may touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, daughter, be of good comfort. Thy faith has made thee whole. And the woman was made whole from that hour. And when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrels and the people making a noise, he said unto them, give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed it to scorn. But when the people were put forth, he went in and took her by the hand, and the maid arose. And the flame herefore went abroad into all the land. Prions. Let us pray. Seigneur notre Dieu. Lord our God. Ceci est ta parole sacrée, Père. This is your sacred word. N'importe qui peut la lire, Seigneur. Whomever can read it. Mais quand t'as donné la vie, l'interprétation. But giving life an interpretation. Cela ne peut venir que de toi, Dieu. That can only come from thee. Écarte-nous du chemin complètement. Take us away completely. Je ne suis qu'un pécheur, Seigneur. I'm just a sinner. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Forgive my sins and pardonne aussi celui de ton peuple. Forgive also thy people. Au travers du Saint-Esprit et du don que tu nous as donné, Père. Through the Holy Spirit and the au travers de l'ange puissant qui a brisé les sceaux. Through the mighty angel qui nous a donné le don de Malachi 4. He gave us the gift of Malachi 4. Parle à ton peuple, Seigneur. Ouins cette parole, Père. Anoint this word. Sauve les perdus, Seigneur. Save the lost. Guéris ceux qui sont malades. Heal those that are sick. Que choses soient manifestées au milieu de nous. And let the things be, the sons be. Et que notre foi puisse être touchée, Seigneur. Let our faith touch you. Au travers de cette parole, Père. Through this word, Lord. Laisse que chaque personne ici, Seigneur. Let each person here. Comme cette femme à la perte de sang, Seigneur. Like the woman with the blood issue. Qui avait touché les bords de ton vêtement. That touched the garment of your clothing. Qui puisse te toucher, Père. May we touch you. Au travers de mon ministère. Through a ministry. Au travers du don, Seigneur. Through the gift. Comme ton habit ouin au Dieu, has your anointed et que puisse recevoir sa guérison, may we receive the son healing, salut, sa délivrance, the salvation, et que cette église, Père, and let this church soit sauvée, Seigneur, de cette situation be de l'argent, for this problem of money, pour la gloire de ton Saint-Nom. For the glory of your holy name. Nous nous attendons que tu vas le faire. We wait upon you that you will do it. Dans le nom de Jésus-Christ. Jesus Christ's name. Amen. Amen. Assoyez-vous. You may be seated. Mon sujet de ce matin pour compléter à tous les deux que j'avais parlé là. My preaching of this morning to complete all that I preached before. Je l'intitule Sozo. Si le frère peut m'écrire ça dans là-bas, projeter ça. I will entitle it Sozo. C'est un mot grec que le prophète a utilisé. It's a Greek word which the prophet used. Et vous voyez que c'est un mot qui a seulement quatre lettres. And you see that it's a word which has got only four letters. Et le prophète nous a dit que quatre c'est un nombre de la délivrance. And our prophet has taught us that number four is the number of deliverance. C'est pourquoi quand Dieu a créé le monde. That's why when God created the earth. Le premier jour, le deuxième et le troisième, le quatrième jour. The first, the second, the third, yet the fourth day. C'est là où la lumière est apparue afin de délivrer les semences. That's
word, the light appeared so that it can set free the seeds. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? C'est pourquoi nous voyons que les trois Hébreux, that's why we see that the three Hebrews, quand ils étaient dans la fournaise ardente, when they were in the burning bush, quand le quatrième est descendu, when the fourth descended, qui était Dieu lui-même le Fils, which was God himself, c'était the leur délivrance. It was deliverance. C'était Dieu les a sauvés de cette situation-là. It is God that set them free from c'était that situation. Le sozo qui s'est manifesté. It was the sozo that was manifested. C'est pourquoi vous voyez, that's why you'll see, Lazare qui était mort, Lazarus that was dead, le premier jour, le deuxième, le troisième, the first, the second, the le third, quatrième jour, the fourth day, lui le sauveur, le grand sozo, him, the savior, the great sozo, il est venu lui donner encore le sozo. He came to give les again mots the sozo. S'applique à sauver et sauveur, la même chose. Because that word sozo is being applied as savior, the same thing. C'est pourquoi c'est le même mystère, n'est-ce pas? It is the same mystery. Et que dans ces derniers jours, and in this last day, Dieu dans la rédemption a promis d'utiliser l'esprit d'Élie cinq fois. God in his redemption, he promised to use the spirit of Elijah five times. La première fois dans Élie le Tishbite. The first time in Elijah the Tishbite. La deuxième fois dans Élisée. The second time it was used in Elijah. La troisième fois dans Jean-Baptiste. And the third in John the Baptist. Mais la quatrième fois, c'est dans Élie de Malachie 4. Yet, the fourth time it's in Elijah of Malachi 4. C'est lui le grand Élie. He is the great Elijah. Parce que lui vient pour la délivrance totale. Because he comes for the total deliverance. C'est lui qui vient donner le vrai sozo comme le prophète l'enseigne. He comes to give the true sozo as the prophet teaches. Remarquez pour comprendre cela, nous voyons dans cette histoire. Now, notice for you to understand, we see in this story. Cette femme à la perte de sang, vous connaissez son histoire. This woman with a blood issue, you know. Son problème avait beaucoup duré, il avait dépensé beaucoup d'argent, il a vu beaucoup de médecins. Her problem lasted so long that you know the story. She saw a lot of physicians. Il est parti des hôpitaux. Il est parti dans beaucoup des hôpitaux. She went in a lot of hospitals. Il a vu des paresans, si on peut donner, il a vu les docteurs Feli, il a donné les médicaments, il n'a pas été guéri. If we can give an example, she went to Dr. Feli and gave him a medication. Gellor, il n'a pas été guéri. Perhaps he went to see also our doctor Gellor and then il a laissez-moi voir le papa docteur lui-même parce qu'il est ancien, il n'a pas été guéri. He went perhaps to see himself. He said, "Let me see the doctor Kapanga since he's an elder." Et la Bible dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent. The Bible says that she wasted a lot of money. Mais sa perte de sang continuait toujours. But still, her losing blood. But Abraham says that it was something so shameful for a woman. C'était une mauvaise maladie pour une femme. It was a bad sickness for a woman. Et remarquez que il s'est dit en elle-même. Now notice, she said to herself. Ce n'était pas écrit dans la parole. It wasn't written in the word. Avant elle, rien n'était écrit à ce sujet-là. Before her, there was nothing written concerning elle that. Elle s'est dit en elle-même, amen. She said to herself. Ça veut dire que c'est une révélation personnelle. Meaning to say that it was a personal revelation. Je vois, Branham, la foi est une révélation. That's what Branham says, that faith is a revelation. Et elle s'est dit en elle-même. And she said to herself. Si j'arrive à toucher son habit. If only I can touch her garment. Pas toucher le Seigneur. Not touching the Lord. Mais toucher l'habit qui porte le Seigneur. But to touch the garment which he is wearing. Et mon problème est qu'il y a beaucoup duré trouvera son épilogue. He says the problem which has lasted longer will find it peace. Et quand elle a touché le Seigneur. And when she touched the Lord. Elle a été guérie. She was made whole. Et Jésus a dit. And Jesus said. Ma fille. My girl. Ta foi t'a guéri. Your faith has healed you. Si vous me suivez, dites amen. If you follow me, say amen. Frère, les mots là, c'est sozo. But I'm saying that word means sozo. Et le prophète de Dieu dit ceci. Listen to what the prophet of God says. Il dit ceci dans la prédication. Qui est ce Melchizedek? In the preaching, who is this Melchizedek? Le prophète de Dieu dit maintenant. Paragraphe 71. Paragraph 71. The prophet says, regardez, il y avait une foi. He says, now there was a time. Une petite femme qui avait une infirmité. There was a woman that had a sickness. Elle avait dépensé son argent chez le médecin. She spent the money to the physician, the doctor. Il ne pouvait pas lui faire de bien. They couldn't make her whole. Elle s'est dit en son cœur. And she said in her heart. Si je peux toucher le vêtement de cet homme. If I can only touch the garment of this man. Je serai guéri. I will be made whole. Vous vous souvenez? De l'histoire. You remember the story. Ainsi tous essayaient de la retenir. And everyone touched to hold her. Mais elle se faufila au travers les gens. But she
she was going through people. Jusqu'à ce qu'elle ait touché son vêtement. Until she went and touched his garment. Puis elle se retourna et s'assoit. And then she returned and sat. Maintenant écoutez attentivement. Now listen carefully. Lorsqu'elle a fait ça, when she did it, Jésus s'est retourné et dit, Jesus returned and said, qui m'a touché? Who touched me? Eh bien l'apôtre Pierre le reprit. Well, the apostle Peter's il a dit quelque chose comme, he says, he thought was saying something Seigneur, like, Lord, ne dis pas une telle chose. Don't you say such a thing. Les gens croiront qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. People will think that something is in well with you. Parce que lorsque tu leur demandes de manger ta chair et de boire ton sang, because when you tell them to drink your blood and eat your flesh, ils pensent déjà que quelque chose ne va pas. They already think that something is wrong with et you. Et tu dis encore qui m'a touché? And now you're saying who has touched or me? La foule te touche. While there is a crowd which is touching you. Il répondit oui. He said of course. Mais je sens une vertu est sortie yet de moi. Jesus said that I feel that there is a virtue that left me. C'était un toucher différent. It was a different touch. Et ce matin, nous voulons lui toucher différemment. And this morning we would like to touch him differently. Qui peut dire un grand merci? Who can say big amen? Qu'il y ait un touche différent. Let we have a different touch. Pour un sozo différent. A different sozo. Il dit, oh, tout le monde sait que la vertu est la force. He says, well, we all know that a virtue it is strength. Je suis devenu faible. I become weak. Une vertu m'a quitté. A virtue has left me. Il parcourut l'auditoire des yeux. He was going around of people. Jusqu'à ce qu'il ait découvert la petite femme. Until he discovered the little girl. Il lui parla alors de sa perte de sang. And he spoke to her after a losing of blood. Et elle sentit dans son corps que celle-ci s'était arrêtée. And she felt in her body that this has stopped. Ma mon ami, est-ce juste? Abraham asked, is it correct? On m'a dit amen au prophète. Say amen to that. Et il dit. And he said. Ta foi t'a sauvé. He said that your faith has made you whole. Or le mot grec est pour ceci. Well, the Greek word for this est sozo. It's sozo. Dites amen au prophète. Say amen to the prophet. Le mot grec est pour ta foi t'a guéri. Yeah, Greek word for your faith has made you whole. Ou encore ta foi t'a sauvé. Or your faith has saved you. C'est sozo, un nom à quatre lettres de délivrance. It's sozo, a word of four letters of deliverance. Mais ce qui signifie absolument. Which Brahman says, which means absolutely. Ça c'est pour Amen Tabernacle. This is for Amen Tabernacle. Ce qui signifie absolument. Which means absolutely. Sauvé physiquement. Saved physically. Ou encore et spirituellement. Or spiritually. Dites un grand amen. Sozo ne veut pas dire. Sozo doesn't mean que Dieu m'a sauvé spirituellement. Gloire à Dieu, c'est fini. That God saved me spiritually. Glory to God. Ou Dieu m'a sauvé physiquement, c'est fini. Or perhaps God has only saved me mais spiritually. That's all. Mais c'est tous à la fois. But it's the two of them together. Sozo c'est être sauvé. Sozo it's being saved spirituellement. Spiritually. Même physiquement. Even physically. C'est pareil, simplement sauvé. It is similar, being saved. Il est votre sauveur. He is your savior. Maintenant, vous pourriez me toucher, ce ne serait pas exactement si vous le touchez. Abraham says that you can touch me, but it's not similar to you have touched him. Mais je veux que quelqu'un s'élève simplement les yeux vers Dieu. But I want somebody to simply lift up their eyes towards God. C'est ce qu'on va faire dans cette réunion ici. That's what we want to do this morning. Et de dire, oh Dieu. And say, oh God. Cet homme ne me connaît pas. This man doesn't know me. Il ne sait rien de moi. He knows nothing of me. Mais je suis simplement inconnu. But I am only unknown. Mais laisse ma foi te toucher, but Seigneur. Let my faith touch you. Tu sais ce qui me concerne. You know what concerns me. Chacun de nous ici sait les problèmes qu'il a. Each one of us here knows the problem that they've got. Dieu sait les problèmes que cette église a. God knows the problem that this church has. Dieu sait les problèmes te concernant me concernant. God knows the problem concerning you or tu concerning tout ce qui me concerne. He knows all that concerns tu us. Sais qui je suis. You know what I, de who même I am. Si qui était Pierre. Like you knew who was Peter. Qui était Nathanael. Who was Nathanael. Ce qui n'allait pas chez cette femme. What was wrong with that woman. Qui avait la perte de sang. Who had a blood issue. Et cet homme me dit que tu es le même. And this man tells me that you are the same. Aujourd'hui et éternellement. Today and forever. Alors Seigneur. Then Lord. Laisse ma foi te toucher. Let my faith touch you. Ça c'est une réunion de la foi. This is a meeting of faith. Laisse que ma foi te touche. Let my faith touch you. S'il fait cela se révèle infailliblement ici. If he can do that infallibly here. Combien parmi nous croiront en lui de tout leur cœur? How many will believe?
un ou deux, voire trois personnes. If he can do it for one, two, or perhaps three people. Comme un témoignage. As a testimony. Frère, et que Dieu vous bénisse. And Abraham says that, and may God bless you. Regardez ici le mot grec, c'est sozo. Now look at here, the Greek word is sozo. Il a touché l'habit ouin de Jésus. He touched the anointed garment of Jesus. Un prophète, c'est l'habit de Dieu. And Abraham said that a prophet is an anointed garment Parce que of God. Dieu doit s'habiller dans l'homme. Because God must be dressed in a man or must be worn in a sozo, man. Il doit devenir amorphé. God for him to give you the sozo, he must be unmorphed. Et Abraham dit que le ministère d'Ephésiens 4, c'est un habit ouin. And Abraham said that the ministry of Ephesians 4, it's an anointed garment. Une église touche Jésus au travers du ministère de son pasteur. And a church touches Jesus by the means of the pastor. Et je me tiens ici comme un habit ouin de Dieu. And I'm standing here as an anointed garment of God. Dieu m'a ouin par ce message. God has anointed me by this message. Par cette inspiration by ici. This inspiration afin here. Que ta foi puisse toucher pas moi mais lui. So that your faith may not touch me but him. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? What is he today? Il est la parole révélée. He is the revealed word. Et il ne change pas. And he doesn't change. Il est le même. He is the same. Yeah. Yesterday. Avec Moïse. With Moses. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Aujourd'hui, today, Paul parlait, when Paul was speaking avec le Paul, with Paul, Abraham says not eternally, mais in the last day, say big amen to that. Il ne change pas. He doesn't change. Si Dieu fait ça pour cette femme, if God did it for that woman, il peut le faire encore then he can do it again this morning. C'est ça la preuve qu'il est Dieu. That is the proof that he is si God. Fait, il fait ça encore. If he did it, he do it again. C'est ça le sozo. That is the sozo. Qui peut dire un grand merci. Who can say big amen? Frère Branham dit encore. Frère Branham says again. Il dit dans un procès, il dit. In a trial. Paragraph 83, l'homme de Dieu dit. Paragraph 83 says. Vous êtes sauvés par la foi. He said that you are saved by faith. Jésus a dit à la femme qui avait touché son vêtement. Jesus said to the woman that touched the garment. Il a dit ta foi t'a sauvé. That your faith has saved you. Maintenant je ne suis pas un grand érudit. Not, I'm not a j'ai recherché quelques mots. But I've looked for some words. Le mot là vient du mot grec. But that word comes from a Greek word. Sozo. Sozo. Ce qui signifie. Which means. Sauvé. Saved. Oh, dites amen quand Frère Branham. Say amen when Branham speaks. Quelle est cette manière là de sozo? Sauvé, c'est quelle manière? What is that way of being saved? Ce qui signifie sauvé. Which means saved. Aussi bien sauvé maintenant. As much as being saved materially, est-ce que vous pouvez dire amen? Can you say amen? Là-bas, il a dit, there, he said, sauvé physiquement, it being saved spirituellement. And spiritually. Ici, il dit, sozo, here he said, sozo, c'est être sauvé, it's being saved aussi bien matériellement. As much as materially. Que sauvé spirituellement, then being saved also spiritually, et physiquement. And physically. Sozo, sozo, c'est Dieu qui te sauve. It's God saving you spirituellement. Spiritually, ça ne s'arrête pas là. It doesn't stop there. Dieu m'a sauvé, j'irai en enlèvement. God saved me, I'm going to the rapture. Mais tu restes malade. But you remain sick dans ton corps. In your body. Non, no. Il te sauve aussi physiquement. He saved you also physically. Parce qu'il est le grand médecin. Because he is the great physician. Bon, maintenant tu as un bon corps. Now you've got a good body. Mais tu es malheureux but dans la vie. You are sorrowful in life. Come on, young people. Come on, young people. Tu n'as pas de maison. You don't have a house. Tu n'as pas de voiture. You don't have cars. Tu n'as pas un bon boulot. You don't have a good job. Tu as une vie médiocre. You have got a whole life. Tu es comme un mendiant. You're like a beggar. Non, sozo. No, sozo. Dieu te sauve aussi. God saved you also. Materially. Qui peut dire un grand merci? Who can say big amen to that? Quand ce prophète parle, when this prophet speaks, c'est lui la bouche autorisée de he Dieu. He is the allowed mouth of God. Nous sommes fatigués. We are tired. Dans ce message, in this message, d'avoir des églises médiocres. To have miserable churches. Un grand message. A great message. Dites amen. Say amen. C'est un grand message. Is it a great message? Avec un grand Dieu. With a great God. Le tout puissant. The mighty one. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Qui est le Seigneur Jésus Christ? Who is the Lord Jesus Christ? Avec un grand prophète. With a great prophet. Le plus grand de tous les prophètes. The greatest of all. Mais dites amen. Say amen. Avec des grands prédicateurs. With great preachers.
comme celui qui vous parle, like the one speaking to you now, comme tous ceux qui prêchent la parole, like all those that are speaking the word, mais avec des brebis médiocres, but with miserable sheep. Il est là toujours sécurité. You find that there are some of them that are just securities. Quand on parle de cotisation d'un million, lui ne peut même pas, il ne peut pas. When we speak about, when we speak matériellement, lui il est malade. When we speak about contributing perhaps the 1 million, he will not even step in because he's physically sick, materially sick. Aujourd'hui nous allons voir avec vous. Today we'll see with you now. Ça doit nous révolter. We must revolt ourselves. Comme Billy Paul a dit, like Billy Paul says, que papa m'avait dit. Daddy told me, nous vivons dessous de nos privilèges. Daddy told Billy Paul that we are living under our privileges. Et Dieu ne viendra rien faire. And God will not do anything for that. Jusqu'à ce que toi-même, until yourself, tu réclames ce qui t'appartient. You must claim what belongs to you. Hallelujah. Hallelujah. Moïse leur avait déjà partagé l'héritage. Moses had already shared the heritage unto them. Il a cité leur nom. He named them. Oh. Il Caleb. He said, Caleb. Tu as soutenu mes mains. Because you supported my hand. Ta place dans le pays. You are blessed in the land. Il y aura une grande montagne. There will be a great blessed mountain. C'était ça la bénédiction de Moïse. That was Moses' blessing. C'était le sceau de Moïse. It was the sceau of Moses. Pour Caleb. For Caleb. Praise God. Praise God. Mais quand ils sont entrés dans le pays, but when they got in the land, Josué commençait à partager le pays. Joshua was now sharing the land. Ephraim a eu sa place. Ephraim took his place. L'autre a eu sa place. The other one took his. Caleb n'avait rien. Caleb did not have anything. Caleb ne pouvait pas rester dans cette position-là. Caleb could not remain in that position. Il a eu le courage. He had the courage. Parce que la foi c'est aussi le courage. Because faith is also a courage. Cette église a besoin du courage. This church needs a courage. Un peu de courage. A little courage. Il est parti voir Josué. He went to see Joshua. Joshua. He says, Joshua, give me my holy mountain. Give me my holy mountain. According to the word of Moses, I received my sozo by the mouth of Moses. I want my portion of land. And at this evening time, and greater than Moses is here. God sent us Malachi 4. He is greater than Moses. And in 63, the mighty angel descended. That is the great Joshua, Jehovah Savior. And the seven seals, it is the promised land. Why must we remain here? Joseph Branham could receive his portion. He received the voice of God. He is blessed materially. Do you say amen? John Charity has his power. He was saved spiritually. And he was blessed. He received his place. Had to rise. Received the place. Jenny Norman. Received his place. Billy Paul. Received his place. In Congo. They've got the place. They are millionaires, brothers. Even in Rwanda, all over. We should not remain like this. Time has arrived now. To go toward Joshua. To go to the angel. Go to the angel. And say to the angel, give me my portion of land. I want my sozo. Greet your brother. Shake him and say, you'll have your sozo. 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 C'est être sauvé aussi. It's to be saved also. Materiellement. Materially. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères. Now, can I tell you something? Je laisse-moi dire comme Paul. Let me tell like Paul. Un ministère comme le mien. A ministry like mine. Je ne dois pas venir prêcher la médiocrité. I cannot come and preach in mediocrity. Parce que moi, je suis plus que Pierre. Because I am more than Peter. Là, il n'y a pas d'amen. Then now you're not saying amen, eh? Pierre prêchait le partiel. Peter was preaching the partial. Moi, je prêche le parfait. But I am preaching the perfect. Je suis plus que tous les prédicateurs pentecôtistes. I'm more than all these Pentecostal preachers. Plus que Oyedepo. I'm more than Oyedepo. Plus que Chris Oyakilome. Chris Oyakilome. Plus, je suis plus grand. Greater than them all. Parce que nous détenons ici. Because here we holding la pensée qui est venue de l'éternité. Thoughts that come from eternity. Mais pourquoi on doit avoir une vie médiocre? But why must we have a miserable life?
Sozo ne signifie pas seulement. Sozo does not just mean. Dieu t'a sauvé spirituellement. God saved you spiritually. Sozo selon William Branham. Sozo according to William Branham. Croyez-vous que c'est lui le dictionnaire? Do you believe that he is the dictionary? C'est être sauvé. It means being saved matériellement. Materially. Physiquement. Physically. Et spirituellement. And spiritually. Dieu est parfait en trois. God is perfect in three. Ceci est le temps du parfait. This is a time for the perfect. Nous ne voulons pas être sauvés partiellement. We don't want to be saved partially. Cela m'a révolté toute la nuit. No, it really troubled me the whole night. J'ai dit, mais frère Branham, ça c'est un grand prophète. I said, Brother Branham is a great prophet. J'ai dit, mais comment moi, Zakola, je vais rester misérable? I said, how can I, Zakola, remain miserable? Mais je détiens les choses sacrées. But I am holding sacred things. Comment je peux prêcher dans une église, il n'y a même pas un millionnaire? How can I preach in a church, there is not even one millionaire? La commission que Dieu donna à William Branham. The commission which God gave William Branham. Était tu prêcheras aussi au monarque. It's like, you are also going to preach to the high ranks. Je veux pas que les frères qui suivent les bancs veulent m'insulter, non. I don't want brothers who are watching the tape to insult me. Eh? Je lis ici frère Branham. I'm reading Brother Branham. Je sais que vous êtes des critiqueurs. I know you like criticizing. Quand vous ne savez pas prêcher, since you don't know how to preach, vous direz, tu vois, il commence maintenant des choses. You see now it's not. C'est une église riche. It's a church of rich people. On reçoit même les pauvres ici, y a pas de problème. We can receive even those that are poor. There's no problem. Dieu sauve toutes les catégories. God saves everyone. Qui peut dire amen? Who can say amen? Mais nous voulons ici. But here we want que chacun de nous réclame ce qui lui appartient. That each one of us must claim what belongs to you. Sozo, c'est être sauvé. It's being saved. Spirituellement. Spiritually. Vous dites amen? You saying amen? Physiquement. Physically. Et matériellement. And materially. La commission de William Branham, the commission of William Branham, c'est de prêcher au monarque. Is to preach to the high ranks. Brother Branham a prêché au roi d'Angleterre. Brother Branham preached to the king of Germany. Il a guéri le sénateur Uchpai. He also healed the senator of United States of America. Brother Branham venait ici des campagnes où toute l'Afrique du Sud bouge. He was coming here for campaign the entire South Africa. Je ne parle pas des petits moyens frères. No, I'm not speaking about little means brothers. Parce que depuis que frère Branham est parti, because since Brother Branham left, je ne connais aucun prédicateur du message, aucun. I don't know any preacher of the message, none. Qui a fait des campagnes comme frère Branham? Who did campaigns like Brother Branham? Aucun. No one. On se débrouille là. We are just trying pourquoi to find a way. Pourquoi on se débrouiller? Why must we find a ways like that? Il faut réclamer ton sozo. You must claim your sozo. Gloire à Dieu. Glory to God. Sozo, le mot grec employé. Sozo, the used Greek word. Ta foi t'a sauvé. Your faith has made you whole. Dit, ça c'est frère Branham. This is Brother Branham. Ta foi t'a sozo. Your faith sozoed you. Ta foi t'a sozo. Your faith sozoed you. Ça dit ta foi t'a sozo. Meaning your faith sozoed you. Ça dit ta foi t'a sauvé. Meaning your faith has made you whole or saved you. En trois choses. In three things. Spirituellement, spiritually, matériellement, materially, et physiquement, and physically. Sans ces trois choses, on ne peut pas parler de sozo. Without those three things, you cannot speak about sozo. Vous dites amen? You saying amen? Quand t'as rebours, il dit. Now, quand il dit, vous voyez, ta foi les a sauvés. It says, your faith is saved. Il y a les étudiants ici, ces mots sont sozo. It says, now we have got students here. The word is sozo. Ta parole les a sauvés. Your word has saved them. Ta foi les a sauvés. Your faith has saved them. Exactement comme votre foi vous sauve du péché. Exactly as your faith set you free from sin. Votre foi vous sauve aussi physiquement de la maladie. Your faith set you free also from sickness. Votre foi vous sauve aussi matériellement. Your faith also save you materially. Je veux entendre un grand amen. I would like to hear big la amen. Même foi, the same faith, qui t'avait amené à l'église, which brought you in the church. Tu as reçu le Seigneur Jésus Christ. You received the Lord Jesus Christ. Tu as été baptisé dans l'eau. You were baptized in the water. Tu as reçu le Saint-Esprit. You received the Holy Spirit. Tu as été sauvé. You were saved. C'est le salut. It's salvation. La même foi là, that same faith, est pour ta guérison. It's for your healing. Pour te sauver physiquement. To save you physically. On ne peut pas prêcher le salut sans la guérison divine. We cannot preach salvation without divine healing. Qui a un grand amen à cela? Say a big amen. Et la même foi là aussi. And that same faith.
life te sauver must save you materiellement. Materially. Pierre avait cette foi-là. Peter had that faith. Il dit, mais petit, nous t'avons suivi, ça fait longtemps. He was like speaking to Jesus like, young man, we have followed you, it's been long now. Moi, j'avais mon bateau de pêche. I used to have my fishing boat. J'ai laissé ça pour te suivre. I left it to follow you. Maintenant, tu dis que tu vas partir. Now you're telling us that you are leaving. Mais qu'est-ce que nous aurons? What are we going to have? Les diacres, vous me suivez? Deacon, are you following me? Il faut que notre pasteur aille le sozo. Our pastor also needs to have the sozo. Que on dit de lui que ta foi t'a sozo. That we should say about him that your faith sozoed you. Que la foi de notre pasteur l'a sozo. That the faith of our pastor sozoed him. Et Jésus l'a sozo. And Jesus also sozoed him. On dit ça de nos diacres. We say it about our deacons. On dit ça de nos musiciens. They say it about our on musicians. On dit ça de nos brebis. They say it about our on sheep. On dit ça de nos familles. They say it about our families. Dites amen à cela. Say amen to that. Dites encore amen. Say amen again. Pas seulement dire ça de John Charit. Not only to speak about John Charit. To say with those that were with brother Branham, an historical God will not help us. Si c'est l'hiver, if it's winter, tu me dessines un feu là, you just draw a peinture. If you just paint a fire for me, I will nous die. Devons faire sortir le Dieu de Branham de l'histoire. You must remove the God of Branham from history. Il doit quitter la Bible aujourd'hui. He must leave the Bible today. Femme, woman. Ta foi t'a sozo. Your faith sozoed you. Nous voulons qu'ils disent la même chose ce matin. We want him to say the same thing this morning. Amen tabernacle. That amen tabernacle. Ta foi t'a sozo. Your faith sozoed you. Et remarquez les mots là, vous avez compris? Now notice that word you have understood. C'est Frère Branham qui parle. Brother Branham speaking. Parce que le mot sozo. Because the word sozo. C'est un mot grec. It's a Greek word. Qui vient du mot hébreu? Which comes from a Hebrew word. Eisha. Eisha. Qui veut dire salut, which means salvation, physiquement, physically, spirituellement, spiritually, et matériellement, and materially. Et ça vient aussi du mot rachi, and it also comes from the word rachi, compris yasha, yasha, qui veut dire délivré, which means set free, totalement, totally, et sauvé, and saved, en tout, in all. C'est pourquoi le mot là, that's why that word, Yashi, Yashi, ou Eisha, or Eisha, c'est ce qui a amené le mot Salem. That's what brought the word Salem. C'est pourquoi Dieu, that's why God, il est le grand Melchizedek. He is the great Melchizedek. C'est pourquoi le jour où Frère Branham prêche, that's why the day Frère Branham preaches, qui est ce Melchizedek? Who is this Melchizedek? À la fin, at the end, il parle de sozo. He speaks about sozo. Parce que Salem, c'est la paix. Because Salem means peace. Tu ne peux pas avoir la paix. You cannot have peace. Si tu n'es pas sauvé spirituellement. If you are not saved spiritually. Même si tu es sauvé spirituellement. Even if you are saved spiritually. Tu auras des tourments. You'll be tormented. Quand ton corps est toujours malade. When your body is always sick. Tu as la paix dans l'âme. You have got peace in the soul. Tu n'as pas la paix. But you don't have peace in your body. Alors il faut que tu aies la paix dans ton corps. Now you need peace in your body. C'est ça ta guérison. That is your healing. Est-ce que vous dites amen? Are you saying amen? Même si ton corps est guéri, even if your body is healed. Mais si tu as des problèmes, but when you've got argent, problem of money, rien ne marche matériellement. Nothing work materially. Laissez-moi être sincère. Let me be honest. Tu seras dans les tourments. You'll be tormented. Beaucoup de problèmes que nous avons dans les églises. Many problems that you find in church. Ce sont les frères qui n'ont pas d'argent. You find that those are the brothers that do not have quand money. Quand ils n'ont pas d'argent, when they don't have money, ils commencent à chercher qui est le sorcier. Now they start to look for who is the witch in the church. Non, c'est mon père. No, I think it's et my c'est father. Ma mère. No, it's my et mother. C'est mon oncle. No, it's my uncle. Why croy à n'importe quoi? That's why they believe everything. Après c'est fini là. Now when they finish there, il vient à l'église. They now come to church. Il n'a pas toujours l'argent. They still don't have money. Il dit peut-être c'est le diacre. He says no, I think it's the deacon. Ou bien non c'est le pasteur. No, I think it's the pastor. Mais cette église elle est une fausse église. Or maybe this church is a false church. Il dit Dieu n'est pas dans l'église. God is not in the church. Parce qu'il n'a pas d'argent. Because he doesn't have money. Et il devient jaloux. And they become jealous. Il devient problématique. They become a problem. Si me voit bien habillé, if they see that I'm well dressed, il dit tout ça c'est notre argent. They're like, this person's business. Et si c'est pas lui qui m'a acheté ça. Even if it's not the one that bought it for me. Il ne peut pas me voir avec une jolie voiture. They don't want to see me with a beautiful car. Il dit ça c'est nos dîmes. They're like, oh, même this si is our tithe. Jamais payé la dîme. Even though he has never paid tithe. Il devient Caïn. He became Cain. Il
Qui t'amène à cela? Say amen to that. Pourquoi les gens ont convoité cette bâtiment? Why is it that people lust after this building? C'est un manque de moyens. It's a lack of means. Si tout le monde avait l'argent, if everyone had money, moi j'ai construit les miens. I built mine. Toi tu construis les tiens. Your... Chacun construit. Everyone built theirs. Mais je vais vous dire une chose ce matin. I want to tell you something this morning. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux de son frère. A child of God cannot be jealous of his brother. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, if God bless you today, je dois être content. I must be happy. Parce que demain aussi, because tomorrow also, Dieu me donnera mon sozo. God will bless me and give my sozo. Quand mon cycle arrivera, when my time will come, parce qu'il bénit par rapport au cycle, because he blessed according to each one's time. Tu ne peux pas avoir le Salem. You cannot have the Salem. Si tu n'as pas trois choses, if you don't have three things, sozo en trois, sozo in three. C'est quoi, nous avons le tourment ici. That's why we have got torment here. Les gens des municipalités viennent. People of municipality will come. 300,000 rand de salaire. Because 300,000 rand only. Voyez-vous ça? You see that now? Il nous faut le sozo. We need the sozo. Deux points. Two points. Deux manières. Two ways. Que notre ta foi ta sozo. That your faith sozoed you. Dit amen. Say amen. Dit amen. Say amen. Ou bien que Jésus vienne te sozo. Or let Jesus come and sozo you. Parce que c'est ce qui donne le salaire. Because that is the thing which gives the salaire. La paix. Peace. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? On médite encore amen. Say amen again. Les sœurs dans le cry room, vous me suivez? Sister in the cry room there, do you hear me? Follow Brother me. Si ta femme devient nerveuse. Listen to what Brother Adam says. He said that if your wife become nervous. Paye-lui les billets. He says, pay a ticket tu peux to aller her. En vacances. Send her somewhere for holidays. Nous avons trop de problèmes dans nos foyers. We have got many problems in our families. Parce qu'on est incapable de faire voyager nos femmes. Because we are not even able to send our wives away for holidays. Elle ne peut pas faire un tour au Canada comme papa vient là. She cannot even go to Canada just like my daddy comes. Et puis que nous sommes mariés, elle est toujours là. Since we are married, she's just there with me, next to me. Dites amen. Say amen. Il nous faut le sozo. We need the sozo. Qui peut dire un grand menace? Who can say big amen to that? Même les gens deviennent impolis à notre gars. Even people lack respect toward us. Parce qu'ils voient qu'on a plus ça. Because they see there's no money. C'est une force, mon frère. Money is a strength. Jésus a appelé ça un dieu. Jesus called it a god. Il y a d'autres personnes qui règnent dans ce message. There are some people that are ruling in this message. Ils n'ont pas la parole. They don't have the word. Ils n'ont pas la parole. I'm saying they don't have the word. Ils n'ont pas Dieu. They do not have God. Mais comme ils ont ça, but since they've got money, vous dites, il a le Saint-Esprit. You'll be saying that that man has got the Holy Spirit. Vous devez vous révolter. You must revolt yourself. Frère, ne me dis pas que tu es toujours célibataire parce que tu n'as pas trouvé de femme. Je ne pense pas. Brother, please don't say that I'm always single because I do not find a wife. Manzi, no. Même toi là, je ne pense pas. Manzi, even you, I don't think so. Tu veux là étudier? You want to study there? Pour avoir l'argent? To have money. Beaucoup ici sont célibataires. Many here are single. Parce que tu n'as pas encore d'argent. Because you still don't have money. Pour épouser une femme. To get married. Dites amen. Say amen. Et beaucoup ici la sœur te refuse. And most of you here, the sisters are refusing you. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Not because you don't have the Holy Spirit. Elle sait que tu as le Saint-Esprit. She knows very well that you have the Holy Spirit. Mais elle voit que tu n'as pas le sozo. But she sees that you don't have the sozo. Tu as ça en demi. You have got it in half. Tu es sauvé spirituellement. You are saved spiritually. Physiquement, tu es bon. Physically, you're in good health. Matériellement. But tu es malade. Your pocket is empty. You're so sick. Il dit, si je quitte le toit de mes parents. Saying that if I live under my father's roof. Avec le frère ici. With this brother here. Je vais coudre le pain. I will just sew some garments. Laisse-moi rester à l'église. Let me just stay in the church. Il dit que c'est pas le temps de Dieu. He says, no, it's not time for God. Elle ment. No, you are lying. La sœur ment. The sister is lying. Elle voit que toi, Dieu ne t'a pas encore sozo. The sister sees that God did not sozo you yet. Est-ce que vous dites amen? Are you saying amen? Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Dites un grand amen. Say big amen. Sozo. Sozo. Remarquez que c'est ce qui donne le Salem. Now, c'est le même mot. Notice, that what gives the Salem, it's the same word. C'est pourquoi Salem, c'est ce qui vient le mot shalom. That's why the word Salem, that's where the word shalom comes from. C'est pourquoi les Juifs, quand ils se rencontrent, ils disent shalom. That's why the Jewish, when they meet, they say shalom. C'est un sozo. It's a sozo. C'est pourquoi Jésus, quand il rencontre, il dit shalom. That's why Jesus, when he meet, he says shalom. Hallelujah. Shalom. C'est pourquoi quand il apparaît dans la nuée. That's why when he appears in the cloud. Le premier mot qu'il dit à l'épouse. The first word he said to the bride. Il dit un grand shalom. It's a big
Shalom to the bride. Que la paix, le Salem. Let peace, the Shalom, the Salem, soit avec vous. Be with you. Il y a pas de paix sans sozo. There is no peace without sozo. Il y a pas de sozo sans être sauvé spirituellement. There is no sozo without you being saved spiritually. Tu peux aussi avoir le matériel. You can also have the material. Et si tu n'es pas sauvé spirituellement, but if you're not saved spiritually, tu n'as pas de paix. You don't have peace. La paix, ce n'est pas l'argent. Peace is not money. Ce n'est pas les voitures. It's not cars. Ce n'est pas les maisons. It's not houses. La paix, c'est en Christ. Peace is in Christ. Qui veut dire un grand amen? Who can say amen? Il faut être sauvé d'abord. You must be saved first. Spirituellement. Spiritually. Après ça, after that, tu commences à être sauvé. Now you start being saved. Physiquement. Physically. Après ça, and after that, il faut le matériel. Now you need the material. C'est ça les procédures. That is the procedure. On ne commence pas. We do not start par le matériel. By the material. Tu vas aller en enfer. You'll go to hell. Dites un grand amen. Say big amen. On ne commence pas par la guérison divine. We do not start by divine healing. Tu deviendras un pentecôtiste. You become a pentecostal. Guérison, guérison. Healing, 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 healing. Sans parole. Without the word. Dieu peut te guérir et aller en enfer. God can heal you today, but yet you go to hell. Tu peux dire un grand amen. Who can say big amen? Mais on commence. But we start par le spirituel. By the spiritual. Ne confondez pas les choses ce matin. Don't you confuse people. Je ne prêche pas ici la prospérité des pentecôtistes. I'm not preaching the Pentecostal prosperity. Je prêche le sozo de William Branham. I'm preaching the sozo of William Branham. Qui commence, which starts par le spirituel. By the spiritual. Après, after le physique, the physique, après after le matériel, the material. La Bible le confirme. The Bible confirms. Cherchez premièrement. It says, seek ye first. Quand on dit premier, it says, when it says first, c'est une succession. Meaning it is succession. Cherchez premièrement. Seek ye first. Pas l'argent. Not money. Dites un grand amen à cela. Say a big amen to that. Pas l'argent. Don't you look for money cherchez first. Cherchez premièrement. Seek ye first. Le royaume. The kingdom. Et le royaume. And the kingdom. C'est le message de l'heure. Is the message of the hour. La pierre de fête. It is the capstone. Le message de Frère Branham. This message of William Branham. C'est le royaume is de the Dieu. Kingdom of God. Et le royaume est descendu. And the kingdom descended. Le royaume est Christ. The kingdom is Christ. Le royaume c'est le baptême du Saint-Esprit. The kingdom, it is the baptism of the Holy Spirit. Quand tu as ça, when you have got it, ce n'est pas fini. That's not all. Chaque fois quand tu es malade, each time when you are sick, tu cherches ta guérison. You must look for your healing. Il est le grand médecin. He is the great physician. Et nous avons la grande commission. And you have got the great commission. Rien ne résistera à ta that prière. That nothing will stand your prayer. Ni même le cancer. Not even cancer. La guérison nous appartient. The healing belongs to us. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Après ça, after that, le matériel. The material comes. Comment tu serviras Dieu sans le matériel? How can you serve God without the materials? Dites amen. Say amen. Dites un grand amen. Say big amen. C'est ça la succession des choses. That is the steps of things. La chose que nous reprochons les pentecôtistes. The thing which we rebuke the pentecostals. Et commence par le matériel. Pentecostists are starting with the materials. Non. No. Nous on commence par l'ordre no. divin. We start with the divine order. Oh, dites un grand amen. Say big amen. C'est merveilleux le sozo. It's wonderful the sozo. Premièrement. First of all. Le royaume. The kingdom. Et le royaume vient par un prophète. And the kingdom comes from it, through a prophet. C'est quoi Jean-Baptiste était fait. That's what John the Baptist was. Dit le royaume des cieux. He says the kingdom of God is among le you. Le royaume des cieux. The kingdom of heaven is among you. Le royaume est de Dieu aujourd'hui. The kingdom of God today. C'est au travers Malachi 4. It's through Malachi chapter 4. Quand tu rencontres ce message. When you meet this message. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. And God gives you the Holy Spirit. Maintenant tu as déjà le salut. Now you have got already salvation. Alors tu cherches ta guérison. Now you're looking for your healing again. Après ça, amen. After that, amen. C'est le sozo matériel. It is the material sozo. Dites un grand amen à cela. Say big amen to that. C'est ce qui te donnera le Salem. That's what will give you the Salem. Le roi de paix. The king of peace. C'est ce qui te donnera Shalom. That's what will give you the Shalom. Quand tu dis à frère Shalom. When you say brother Shalom. Tu es tenté de le sozo. You are sozoing him. Beaucoup de frères n'ont pas la paix ou les sœurs ici. Many brothers and sisters do not have peace here. Ils n'ont pas les problèmes spirituels. They don't have spiritual problems. Ils ont le problème de l'argent. They've got this problem, money. Ils deviennent méchants à l'église. Becomes wicked in the church. Ça ne marche pas. It doesn't work. Parce que nous sommes derrière le message. Because we're already in the message. Est-ce que vous dites amen à cela? Do you say amen to that? Parce que dans ça, because in that, ces mots-là, shalom, c'est ce qui a donné le mot grec zoteria.
That shalom word, that what give the Greek word soteria. D'où vient le verbe sozo. Which comes the verb sozo. Ça dit que cela veut dire santé. Meaning it means health. Prospérité. Prosperity. Plus de manque. No lex. Le mal a cessé. The evil it ceases. Être sauvé. Being saved. Être délivré. Being set free. Être protégé. Being protected. Tout ça c'est les sozo. All that is sozo. Être complet. Being filled or être full. Être prospère. Whole. Being prosperous. Sozo veut dire sauvé. Sozo means being saved. Gardez ça. Keep holy. Et sauf. And safe. Qui t'a sauvé? God kept you. Sozo. Sozo. Il t'a gardé sain et sauf. He kept you holy and safe. En d'autres termes, il t'a délivré du danger. In other words, he kept you away from danger. Nous voulons que Dieu nous délivre de ces dangers. We want God to keep us away from this danger. Ou il t'a délivré de la destruction. Oh, he set you free from destruction. Sauvé. Saved. Du périssement. Which saved. Que quelqu'un souffre. That somebody, when somebody is suffering, redonne la santé, suffering from the heart, on lui préserve de la destruction. And it's being preserved from being destroyed. Tout ça, c'est sozo. All that is sozo. Physiquement, spirituellement, matériellement. Material. Sauvé, saved, être protégé, being protected, être délivré du danger, set free from ou danger, du désastre, or disaster, être épargné du dommage ou du préjudice, being taken away from being prejudiced, ou du péril, or being away from suffering, ou du danger, or danger, ou d'un risque, or a risk, être secouru et enfin délivré, being secured and afterward being set free. C'est pourquoi vous voyez que le mot là sozo est utilisé dans la Bible plus de 102 ou 109 fois dans d'autres traductions. That's why the Bible, that word is being used in 102 or 109 times in the Bible. Regardez, repeated. Je vais vous montrer, le mot là est lié avec une seule personne. Now, I'm going to show you that that word is linked with one person. Remarquez ici, allons dans Matthieu. Matthieu, ouvrez vos livres. Open your Bible in the book in Matthew. Matthieu, chapitre, chapitre premier. The first chapter of Matthew. Oh, c'est merveilleux, mes frères, il faut se révolter. Matthieu, chapitre premier. Matthew, chapter 1. Et regardez ici, quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. When I speak about our Lord Jesus. Le verset 21. Verse 21. Regardez, elle enfantera un fils. Now, listen, it says, and she shall bring forth a son. Tu lui donneras le nom de Jésus. And thou shalt call his name Jesus. Celui qui sauvera son peuple de leur péché. For he shall save his people from the sins. Le mot grec ici, c'est celui qui va donner le sozo. Here, the Greek word, it means the one that will give the sozo. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Oh, dites un grand amen à cela. Say big amen to that. Même dans Matthieu 8, 25. Even Matthew 8, 25. Vous verrez que le Seigneur. You see that the Lord. Lisons, c'est Matthieu 8, 25. Matthew 8, verse 25. Je voudrais que vous compreniez les aspects de sozo. I want you to understand the aspect of sozo. Nous voulons être sozifiés aujourd'hui. I want us to be sozified. Que lui nous donne les sozo. May he give us the sozo. Et nous continuerons à donner les sozo aussi aux autres. And we'll carry on giving sozo. Voyez-vous Matthieu 8, 21. Matthew 8, 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts s'ensevelir leur mort. C'est une façon de les sauver toujours. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. But Jesus said unto him, follow me and let the dead bury the dead. Alors verset 23. Verse 23. Il monta la barque et ses disciples le suivirent. And when he was entered into the ship, his disciples followed him. Et voici s'éleva sur la mer une grande tempête, car la barque était couverte de flots et lui dormait. And behold, there arose a great tempest in the sea, in so much that the ship was covered with the waves, but he was asleep. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent. And his disciple came to him and awoke him. Et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Saying, sozo-nous. Saying, Lord, save us, we perishing. Meaning, sozo us. Tout ça, ce sont les aspects de sozo. All those are aspects of sozo. Dans les problèmes de la tempête. In the problems when they were in the waves. Lui dormait dans la barque. He was sleeping in the boat. Et Frère Branham dit que. And Brother Lam says, Dieu n'est pas ailleurs. God is not elsewhere. Il est en vous. He's in you. Dit
bien, grand-mère, à cela. Say a big amen. Il dit remarquer les bateaux là. He says, notice, notice, follow me carefully. That ship. Il y avait là en bas. Underground. Là-bas en bas. Underground. Au bottom. At the underground. C'est là où Jésus est parti dormir. That's where Jesus went to sleep. Et ils étaient ici en haut. And they were up. Satan a vu que Satan saw that Jésus n'était pas là. Jesus wasn't there. Il a envoyé la tempête. He sent the storm. Les problèmes. Problems. Les désastres. Disasters. Et quand ils ont vu qu'ils étaient, ils commençaient déjà à sombrer. And when they saw that they were about to sink, qu'est-ce qu'ils devaient faire? What did they want to do? Ils ont réveillé Jésus. They had to awake Jesus. C'est un réveil. It's a revival. C'est un réveil. That is a revival. Et quand ils l'ont réveillé, and when they woke him up, il était pas ailleurs. He was not elsewhere. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. La même bateau qui devait sombrer, in the same ship that had to sink, le Seigneur n'était pas absent. The Lord was not absent. Je n'entends pas vos amen. I cannot hear your amen. Il était dans ce même bateau. He was in that same ship. Mais il était en bas dans les bottoms. But he was underground in the bottom. Ce qu'il devait faire pour être sozo, what they had to do to be sozo, c'est de le réveiller. Is to awake him. Madame dit c'est un réveil. Madame says it's the awakening. L'église a besoin d'un réveil. A church needs a revival. Un réveil, c'est un réveil. And a revival, it's a revival. C'est une purification. It's a purification. Quand ils l'ont réveillé, when they woke him up, lui qui était dans le bottom, he that was in the bottom, il est sorti. He came up. Et il a menacé la tempête. And he threatened the storm. Et ils ont eu le sozo. And they had a sozo. Merci Seigneur. Thank you Lord. Frère Branham dit Jésus n'est pas au ciel. Frère Branham said that Jesus is not in heaven. Le Dieu que nous prions est en nous. The God that you pray is in you. Dans ton âme là, in your soul. Il y a la divinité. There is the deity. La puissance qui est en vous. The power which is in you. Ce qui a créé le monde. That what created the world. Mais il est dans l'âme. But he's in the soul. Il est dans le bottom. He's in the bottom. Ici à l'extérieur, in the outside, les tempêtes arrivent. Storms can come. Manque d'argent, lack of money, maladie, sickness, ceci et cela. This and that. Ce que tu dois faire, what you need to do, c'est de réveiller, is to awake la divinité, the deity, qui est en vous, which is in you. Dites un grand merci. Say big amen. Et cette divinité là, that deity, c'est Saint Jésus-Christ. That is Jesus. Quand tu le réveilles, when you wake him up, par la foi, by faith, la foi c'est dans l'âme. The faith is in the soul. Quand il se réveille, when he's awake, il te donnera le sozo. He will give you the sozo. Le Dieu que nous prions, il est toujours the ici. The God that we pray is always here. Il est dans nos cœurs. He's in our hearts. Il n'est pas parti. He did not go away. Dieu n'abandonne pas son peuple. God never forsakes his people. Il est dans nos âmes. He's in our souls. Mais quand les problèmes arrivent, but when problem arose, nous devons le réveiller. We have to wake him up. Nous lui disons sozo nous. We have got to say unto him, sozo us. C'est quoi Frère Branham utilise le même terme? That's why Frère Branham used the same term. Jésus marchait sur l'eau. He says Jesus was walking on the waters. Vous dites amen? He's saying amen. Pierre a dit, je peux venir? Peter said, may I come forth? C'est le Seigneur qui a appelé Pierre. Hein? Look. Oh, réveillez-vous un peu. It is the Lord that called Peter. Wake up. Que vous êtes avec moi. I want to feel that you are with me. Qui a appelé Pierre de marcher? Who called Peter to walk? C'est le Seigneur Jésus. It's the Lord Jesus. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Jésus dit que marche. Jesus told him, walk. Quand il a commencé à marcher, when he started to walk, avec un appel divin, with a divine calling, dites un grand amen à cela. Say big amen to that. Et quand il a vu les vagues, and when he saw the waves, il a commencé à sombrer. He started to sink. La Bible dit, the Bible says, Pierre a crié, Peter shouted, le Seigneur, says, Lord, sauve-moi, save me. Ça dit, sozo, sozo me. Beaucoup de gens disent, many people say, si réellement Dieu l'avait appelé, if God surely called him, si réellement Dieu avait commencé à mettre tabernacle, if God surely started this amen tabernacle, si la construction là c'était vraiment Dieu, if that construction was really God, pourquoi y a eu des problèmes? Why was there problem? Si c'était vraiment Dieu, if it was really God, pourquoi y a plus d'argent? Why is there no money? Ils ne comprennent pas la parole. They do not understand the word. C'est Jésus qui a appelé Pierre. It is Jesus that called Peter. Les dons et les appels sont sans repentance. The gifts and callings are without repentance. Et Pierre a marché tout le monde en vue. And Peter walked everyone so. Tout le monde a vu que Pierre a marché. Everyone saw that Peter walked. Si tu peux avoir l'appel de Dieu, you can have the calling of God. Appelé par Jésus. Called by Jesus. Mais le problème peut arriver. But problem may arise. Branham dit que les problèmes sont normaux dans la vie spirituelle. Branham says that problems are normal in a spiritual life. C'est Dieu qui t'a appelé. But it's God that called you. C'est Dieu qui t'a appelé dans ce message. It's God that called you in this message. Mais la maladie peut te frapper. But sickness can strike you. C'est Dieu qui t'a appelé. God
told you. Un démon peut te tourmenter. A demon can disturb you. Mais quand tu vois ça, but when you see that, lève simplement la main. Just lift up your hand toward the Lord. Oh Seigneur. And say, Lord, sozomi. Qui peut dire un grand amen à ça? Who can say big amen to that? C'est Jésus qui l'avait appelé. It's Jesus that called him. Tout ça, c'est le sozo. All that is the sozo. Dieu qui te sauve. God saving you. Pas seulement la maladie comme cette femme. Not only sickness like this woman. Dans les situations de tempête. But in situation of the storm. Il se réveille. He arose. Il te sozo. And he sozo you. Quand tu es en train de sombrer. When you are sinking. Ozo zinda, you are sinking. Sinking. Ah, pasteur Anasia zinda. Oh, that pastor is gone. He sank. Take it easy, my brother. Sois tranquille. Si je meurs, if I die, alors l'histoire est terminée. Now the story is finished. Mais aussi longtemps que je suis encore vivant. But as long as I'm still alive. Même si tout l'eau, even if the whole water, arrive jusqu'à ma tête, reach up to my head. Come on, young people. Come on, young people. Et tout moi est dans l'eau. And my hole is in the water. Même si c'est mon doigt, even if it's my finger. Il dit, Seigneur, which says, Lord, sauve-moi. Sauve me. Il me tiendra. Then he would hold me by his hand. Et il va me and lift me up. Okay. He is the rescuer qui ne manque pas that never lands au jour de détresse. In a time of trials. Nous sommes ici, mes frères. We are here, brothers. Pourquoi nous sommes ici? Why are we here? Il y a un Dieu. There is a God qui nous a sauvés. That sells with us. Il faut le demander. You need to ask him. J'ai aimé le témoignage de le frère ici m'a donné. I like the testimony that the brother gave me. On l'a abandonné dans le désert. He was forsaken in the wilderness. Il veut mourir. He wanted to die. Il dit Seigneur. He said, Lord. Il a pris la photo de la corne de feu. Amen. He took the picture of the pillar of fire. Le frère ici qui vient de Lubumbashi. The brother coming from Lubumbashi. Il dit Seigneur. He said, Lord. Si cette photo est vraie. If this picture is true. Ça ce n'est pas la photo de Branham. This is not the picture of Branham. Dit amen à cela. Say amen. Branham dit ceci n'est pas ma photo. William Branham said that this is not my picture. Ça c'est la photo de l'ange. This is the picture of the angel. Il dit j'ai seulement le privilège. He said that I've got only the privilege d'être photographié to be taken a picture à côté de lui. Closer to him. On met cette photo à l'église. We put this picture in the church. Pas pour Branham. Not because of Branham. Mais on met ça. We're putting this picture pour la colonne de feu. Because of the pillar of fire. Et la colonne de feu. And the pillar of fire. C'est le créateur. It's the creator. C'est l'ange du Seigneur. It's the angel of the Lord. Branham, dit, Branham says. Après mon départ, after my departure. Les young people. Young people. Prendront conscience. Will take conscience. Le frère a pris conscience. The brother took conscience. Il dit si cette colonne de feu est vraie. And he said if this picture of pillar of fire is true. Sauve-moi. Lord save me. Il a vu quelqu'un venir. And he saw somebody coming. Je suis venu te sauver. He says, I came to save you. Te traverser. To make you cross over. Acclamons le Seigneur. Let us applaud the Lord for that. Il est le même Dieu, mes frères. He is the same God, brothers. Et il est Dieu. And he is God. Parce qu'il aime les situations difficiles. Because he loves difficult situations. Mon frère, si je suis malade. Brothers, if I'm sick, je peux avoir le docteur Félix. I go to see Dr. Félix. Il m'a donné les médicaments, je suis guéri. He gave me the medication and I'm healed. C'est bon, non? That's good. Mais le vrai témoignage, but the true testimony, quand il me dit pasteur, en tout cas, it's when he tells me pastor, je ne peux rien faire. Here, I cannot do anything. Ah, docteur. I say, docteur. Pastor, il n'y a rien ici. He says, pastor, here there is nothing I can do. Bon, ah, bon, docteur, toi, peut-être tu es nouveau. Okay, perhaps you're new. Bon, comme le vieux est venu, as the father is here, lui aussi dit, en tout cas, pasteur. I go to him and he's also a pastor here. J'ai 40 ans dans la médecine. I'm 40 years in this je department. Je ne peux rien. But I cannot. À ce moment-là, at that moment, je dis Dieu, I must now say God, sauve-moi, sauve me. Quand Dieu me guérit d'une telle situation, when God sets me free from such a situation, tu marcheras avec lui. Brothers, you walk with him. Tu le connais maintenant. You now know him. Dans sa puissance. In his power. Il y a beaucoup de gens qui racontent un Dieu historique. There are many people that are speaking about an historical God. C'est pourquoi ils fuient les problèmes. That's why they run away from problems. Oh, le Dieu de Branham. Oh, the God of Branham. Mais qu'est-ce qu'il est pour moi? What is he for me? Il m'a sauvé en quoi? Why, how did he sauve me? Il a sauvé à tu right? He sauvé à tu right? Il a sauvé Billy Paul? He sauvé Billy Paul? Il a sauvé ceci? He sauvé this one? Il a sauvé ceci? He sauvé that il one? Il a sauvé John Carey? He sauvé John Carey? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? What is he doing for me? Aujourd'hui, je ne parle pas de ce qu'il avait sauvé. Today I'm not speaking about those that he has sauvé. Je veux qu'il puisse nous sauvé nous tous. I want him to sauvé us all. Répondez amen à cela. Say amen to that. Il t'a sauvé en quoi? In what did he save you? Dieu t'a sauvé en quoi?
In what did God save you? Il t'a aidé en quoi? He helped you in what? C'est pourquoi il est spécialiste. That's why he specialized. Des situations difficiles. In difficult situations. Il est spécialiste. He specialized. Des cas difficiles. In difficult cases. C'est pourquoi ayant ce ministère. That's why having this ministry. Ayant le sozo. Having the sozo. Nous venons ici. We shall come here. Nous ne perdons jamais. And we will never courage. Lose courage. Gloire à Dieu. Glory to God. Tout est possible à lui. All things are possible to him. Sozo moi. Sozo me. Est-ce que vous avez compris sozo? Did you understand sozo? Maintenant, entrons en profondeur pour terminer. Now, let us go deep to finish. Le mot là sozo, that word sozo, est lié par un seul nom de la rédemption. It is linked with one name of redemption. Remarquez. Notice. Frère Branham a dit. Frère Branham says. In the spoken word adoption, second part. He says, before to go quickly, allow me to go backward. Genesis chapter 1, verse 26. I tried to speak about it on Wednesday. When God made the man, he called her, Ella. Ella. Elohim. He called it El Elohim. Ce mot-là veut dire en hébreu. That word means in Hebrew. Celui qui existe par lui-même. The one that is self-existence. Tout seul. Alone. Rien n'a existé avant lui. Nothing existed before him. Il a toute l'existence qu'il n'y a jamais. He's part the entire existence that never existed. Si vous comprenez, dites amen. Say big amen. Dans Genèse 2, il quitte Genèse 1. Now, he leaves Genesis 1, goes to Genesis 2. Quand il a fait l'homme, when he made a man, il dit, je suis Jéhovah. J-V-H-U. He says, I am Jehovah. J-H-Y-U. Qu'est-ce que cela veut dire? What is it supposed to mean? Je suis celui par qui tout existe. I am the one in whom all things exist. Jehovah veut dire, il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Jehovah veut dire, celui qui existe avec sa famille. Jehovah, meaning he made the one that exists in amateur God, which is the one that exists in his family. Oh, 105, il dit, quand nos noms étaient écrits dans les livres de vie de l'agneau, 105, say, when our quand l'agneau était immolé avant la fondation du monde, when it was slain before Ella the name of Elohim God, Jehovah, Ella Elohim Jehovah, il est comme un énorme diamant. He is just like a precious diamond. Il ne pouvait pas être quelque chose à l'intérieur de ce diamant, il avait ses attributs d'être un sauveur. There could not be any other thing, but in that diamond there was his attribute being a savior. Oh, le mot sozo s'attribue au mot sauveur, sauvé. Now, the word sozo being attributed to the word il savior, il ne pouvait pas être sauvé sans que quelque chose tombe, soit perdu. There could not be anything any savior unless something being fallen. C'est pourquoi il est venu dans le Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. That's why he came through our Lord Jesus Christ to save us. Dites un grand amen. Say big amen. Remarquez dans l'alphabet hébreu. Now, notice in the Hebrew alphabet. Je vous ai montré un mystère, si tu peux me donner ça. I showed you a mystery here. If you can project it. L'alphabet hébreu contient l'ADN de la création. The Hebrew alphabet has got the DNA of the creation. C'est quoi le mot Aleph? That's why the word Aleph. Le premier mot de l'alphabet hébreu. The first word of the Hebrew alphabet. Qui s'identifie avec le chiffre 1, parce que l'alphabet hébreu est aussi contenu avec les nombres, je vous ai dit les mathématiques de Dieu. Which is being identified with number 1. I showed you also God's mathematics. Remarquez que le mot Aleph. Notice the word Aleph, which is A. Alpha en grec. Alpha in Greek. Le mot Elohim. The word Elohim. Hell. Ça vient du mot Aleph. Comes from the word Aleph. Et ce nom-là de Dieu là. And that name of God. Quand il s'appelle Elohim. When he's being called Elohim. El Elion. El Lion. El Elohim. El Elohim. Cela connecte Aleph. That connect with Aleph. Qui est le commencement. Which is the beginning. Dieu s'appelle je suis Aleph et Tav. God calls himself saying that I am Aleph and Tav. Je suis l'Alpha et l'Omega. Meaning I am the Alpha and Omega. Je suis le A et Z. I am the A and Z. Je suis le commencement. I am the beginning. Et la fin. And the end. Il s'appelle ça dans Apocalypse. He is being called that in the book of Revelation. Si vous comprenez, dites amen, non? If you understand, say amen. Qu'est-ce que cela veut dire ça? What is that supposed to mean? Dieu au commencement. God in the beginning. Or avant le commencement, nous avons l'éternité. Now, before the beginning, we have got what we call eternity. Il n'était pas encore Dieu. God was not yet God parce in eternity.
worship. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Because God meets the object of worship. Il t'a gravé là, c'est là. C'est big amen. Quand il est venu au commencement, when he came at the beginning, au début, at the beginning, the il s'est appelé Elohim. He called himself Elohim. El. El. Cela veut dire, which means, celui qui existe, the one that is, par lui self-existent. Il est Aleph. He is Aleph. Il est le number one. He is number one. C'est quoi, frère Branham n'est pas Elohim. That's why brother Branham is not Elohim. Branham a été créé. Branham was created. Dites un grand amen à cela. Say big amen to that. Même le corps Jésus, le if, corps. Even the body of Jesus n'est pas Elohim. The body of Jesus is not Elohim. Le corps Jésus a été créé. The body Jesus was created. Mais Elohim c'est l'esprit. But Elohim is the spirit. La fontaine d'amour. The fountain of love. Celui qui existe par lui-même. The one that is self-existent. Celui qui est Aleph. The one that is Aleph. Or avec ce nom-là, suivez-moi bien. Now, follow me carefully now. Follow me carefully. It's wonderful. With that name, Aleph nous connecte. Aleph connect us. Ça fait la connexion. It's doing the connection de l'éternité with eternity vers le temps. Toward time. Si vous comprenez, dites amen. Follow me. If you understand, say amen. Say big amen. Elohim, c'est un nom. Elohim, it's a name qui connecte, which connects l'éternité, eternity, du temps, with time. Dites un grand amen à cela. Say big amen to that. Dites un grand amen à cela. Say big amen. Avec ce nom ici. Now, with this name, il y a pas de sozo. There is no sozo. No. No. Parce qu'en ce temps-là, because at that time, rien n'était tombé. Nothing had fallen. Rien n'était perdu. Nothing was lost. Oh, dit un grand amen. Say big amen. Après, il descend un peu. But now he comes down a little bit again. Il prend le nom de Jéhovah. He takes the name of Jehovah. Frère Branham, le nom de Jehovah n'est pas correct. He says, the name Jehovah is not correct. Les traducteurs n'ont pas pu le saisir. Those that are translating did not, they could il not dit, understand. Il dit c'est J-V-H-U. The spelling of Jehovah is J-V-H-U. Il dit Jehovah n'existe pas. He says that word that we call Jehovah does not exist. Nous le disons pour le dire. We are saying it just because we saying mais it. Mais le vrai nom c'est J-V-H-U. But the true spelling is J-V-H-U. C'est qu'on appelle Yahweh. Which we call Yahweh. Y-H-V-H. Which is Y-H-V-H. Jehovah, c'est ça Yahweh. That is Yahweh. C'est pourquoi dans la mathématique de Dieu, cela a 26 chiffres. That's ça why, correspond au nombre 26. That's why in God's mathematics it has got 26 letters which link to 20, the number 26. Ça correspond au nombre 26. It's going hand in hand with the number 26. Parce que Dieu se dit, c'est verset 5. Because J is 5, c'est 6, c'est 5. And it is 5. Ça c'est dans le breu. That is in Greek, Hebrew. Abraham, la mathématique de Dieu est parfait. God say, Abraham said that God's mathematics is perfect. Ça correspond au 26 parce que. It's corresponding with 26 because. Remettez-moi ça dans l'alphabet hébreu. Put it back to me in the Hebrew alphabet. Il n'y a que 22 lettres. There is only 22 letters. C'est nos alphabets de païens où vous trouvez beaucoup de chiffres. It's in our pagan alphabet that you find a lot of letters. La langue de Dieu c'est hébreu. God's language is Hebrew. C'est ça la langue mère. That is the main language. De l'hébreu est sorti le grec. From Hebrew came out the language Jésus Greek. Jésus parlait l'hébreu et l'araméen. God Jesus was speaking Hebrew and Aramaic. C'est pourquoi on dit que. That's why we said. Avant la tour de Babel. Before the tower of Babel. La seule langue qui était parlée c'était hébreu. The only language which was spoken before it was Hebrew. C'est de l'hébreu qui est né au moins 70 grandes langues. It is from Hebrew that many other languages came out. Vraiment, il faut revenir à l'original. Abraham says we must return to the original. Est-ce que vous dites amen à ça? Are you saying amen to that? Alors remarquez mes amis, c'est merveilleux. Now, friends, notice it's so wonderful. Et J-V-H-U, c'est 26. Now, G-V-H-U, it's 26. Parce que dans l'alphabet de Dieu, il n'y a pas 26. Because in God's alphabet, there's no 26. C'est quoi la Bible ici est écrite par rapport à ça? That's why this Bible is written in line with that. Il n'y en a que 66 livres. The Bible has only 26 books. A dit Frère Branham. Says Frère Branham. Il dit 66 books. 66. 66. 66. La Bible parle de deux natures des hommes.
The Bible, when it has got 66, it's about two nature of men. In Ephesians, it went. It speaks about the spiritual man and the carnal man. Ça parle de Caïn it speaks d'Abel. About Cain and Abel. Jesus and Judah and Jesus. The true brothers and false brothers. Say big amen. And it's 66. Because 66, it's 22 three times. That's why Balaam says that the Psalm 119 is a mysterious psalm. David, il a écrit avec toutes les 22 lettres. David wrote the book of Psalm 119 with all the 22 letters of alphabet. That's what Balaam, when he was preaching on it, réfléchissons à mes propres voies. Let us think about our own ways. C'est pourquoi le livre de la fin, that's why the book of the end, qu'on appelle Révélation, which we call the Revelation, Apocalypse, Revelation, que 22 chapitres. Has got only 22 chapters. Qui peut dire amen? C'est pour cela que ils ont donné la prophétie sur Frère Branham. That's why when they gave prophecy to Brother Branham. Et le frère l'a dit à Frère Branham. And there was a brother that said to Brother Branham. Ça c'est le 23e chapitre. He said to Brother Branham that this prophecy is actually the 23rd chapter of Revelation. Frère Branham dit, ce n'est pas vrai. Brother Branham says it's not true. Mais c'est vrai aussi. But in a way also parce it is true. On arrive à 23, because when we reach 22, le temps avec qui est le 22e lettre, the town which is the 22nd number correspond au nombre 400. It's being linked to the number 400. Pourquoi Dieu ne laisse pas un esclave au-delà de 400 ans. That's why God does not leave a slave beyond 300-400 years. Même avant que le sang de Jésus vienne, even before the blood of Jesus comes, quand Dieu punissait le péché, when God was punishing sin, il ne peut pas aller au-delà de 400. He will not go beyond 400. C'est 400 ans. It is 400 years. 10 générations. 10 generations. C'est pourquoi Israël était en esclave 400 ans. That's why Israel was in slavery for 400 years. Parce que le 23e lettre, because the 23rd letter, qui n'existe pas, which does not exist, c'est le nombre 500. It is the number 500. Et 500, and Brother Branham says number 500, c'est l'autre dimension. It's another dimension. C'est ça l'enlèvement. That is the rapture. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me here? C'est pourquoi David, that's why David était polygame. He was a polygame. Et la polygamie, and polygamy, c'est la loi du sexe. It is the law of sex. Dites amen. Say amen. Mariage et divorce. Marriage and divorce. 500 femmes. 500 wives. Mais Salomon, but Solomon avait 1000. Had 1000 wives. C'est pourquoi David, that's why David, c'est l'enlèvement. It is the rapture. C'est pourquoi quand Frère Branham parle de l'enlèvement, that's why when Brother Branham speaks about the rapture, il y aura 500 personnes. It might be 500 people. 500 people. 500 people. Cela ne veut pas dire, that does not mean il y aura 500. That there will be 500 caught up in the rapture. C'est un mystère. It's a mystery. Parce que moi je serai là moi. Because I'll be there. Le frère Joseph Branham sera là. Brother Joseph Branham will be there. Billy Paul sera là. Billy Paul will be there. Rebecca sera là. Anna will be there. Toute la famille de Frère Branham. The family of Branham will be there. Les frères anciens seront là. The true elders will be there. Et je crois que vous serez là. I believe also you will be in the rapture. Parce que je vous prêche la pure parole de la. Because I am preaching unto you the pure word. Comment nous serons 500? How is it going to be 500? It's so little. Quand il dit 500, when he says 500, Branham, c'était un terme. Brother Branham, he was using a term. Parce que l'enlèvement c'est changer de dimension. Because l'autre. The rapture, it's changing dimension to go to another. On reviendra comme Salomon. That's why we'll come back like Solomon. Nous partons comme David. We're going like David. 500 enlèvements. 500 caught up. Et nous revenons. And we come back. Pour 1000. For 1000. Le millennium. The millennium. Tu vois les frères, le millennium n'a pas encore eu lieu, ok? That's why, brother, please, the millennium hasn't taken place yet, okay? Non, dit. No, brother. Le millennium physique. The physical millennium. N'a pas encore eu lieu. Hasn't taken place. Ne soyez pas pressé. Don't be in a hurry. Oh, nous sommes déjà dans le millénium. Oh, we are already in the millennium. Dans le millénium, tu es boité. How can you be in the millennium while you're still a cripple? Il y a un frère qui est boité là. Nous sommes dans le millénium. Quel millénium tu es boité? Which millennium are you talking about? Le sozo, tu n'as pas encore ça. The sozo, you still do not have it yet. Dans le millénium, il n'y aura pas de boité. Nous sommes dans un millénium spirituel. Spiritual millennium. Parce que le septième âge est venu. Mais le millénium est proprement dit. Millennium, what? Non, on n'est pas encore là. Nous devons aller dans l'enlèvement.
côte de Rome. Revenir pour Milan. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et je connais la langue du millénium. And I know. Qu'on va parler là-bas. Maintenant, remarquez, c'est pour cela Dieu, quand il arrive son nom, quand il est venu pour commencer le commencement, il se donne, il prend le nom du premier lettre de l'alphabet qui est Elohim, El. Je sais que le diable est très fâché, hein? Mais je vais le détruire aujourd'hui. Et nous aurons notre sozo. And we'll have our sozo. Qui peut dire amen à cela? Who can say? C'est pourquoi il commence à déranger les micros. That's why he's not disturbing the mics. Voilà. Now. Alors. Le 526. That is 26. Parce que 26 c'est le nombre de Dieu. C'est Dieu. Because number 26 is nous the number of God. Nous quittons les dimensions et tout ça c'est Dieu. We're leaving the dimension and all that. It's God. C'est un nombre dimensionnel de Dieu. It's a number of a dimension of God. 26 appartient à Dieu. 26 belongs to God. C'est quoi cette nuée ici? That's why this cloud. Ce n'est pas venu du temps. Did not come from time. Les sept ans sont venus de l'éternité. Abraham said that the seven angels came from eternity. Souvent il disait 27 miles, 27 miles. At times he said 27 miles. 27 mais l'autre fois il a dit non, 26 miles. Other times he said 26 miles. Il dit que c'est l'autre dimension. He says it's another dimension. C'est Dieu. He says it's God. Parce que nuée c'est Dieu lui-même. Because the cloud is God Himself. Qui peut dire un grand amen à cela? Who can say big amen to that? Maintenant le nom ici Jéhovah. Now this name Jehovah. Qui est J-V-H-U. Which is J-V-H-U. Qui est Yahweh. Which is Yahweh. Cela veut dire. That means. Dieu. God. Avec sa famille. With his family. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Elohim. Hein? Elohim. C'est Dieu qui existe par lui-même. It is God's self-existence. Il est seul. He is alone. Il n'a pas d'enfant. He does not have children. Mais quand il descend. But when he descends. Il crée l'homme. He creates a man. Il t'a créé. He created you. Au commencement. In the beginning. Quand tu avais le pouvoir. When you had the power. Quand il n'y avait pas de péché. When there was no sin. Il s'appelle Jéhovah. He called himself Jehovah. J-V-H-I, Yahweh. J-V-H-U, Yahweh. Qui veut dire? Which means. Tout existe par lui. All exist by him. Si vous comprenez, dites amen à cela. If you understand, say amen to that. Elohim, hein? Elohim, c'est Dieu qui existe par lui-même. It is God's being self-existent. Mais J-V-H-U, but J-V-H-U, c'est tout existe par lui. It is all exist by him. Il a créé maintenant beaucoup. Now he create all. Tout ce qui existe. All that exists. Sont sortis de lui. Came out of him. Alors il devient. Now he becomes. Dieu. God avec sa famille. With his family. Si vous avez compris, dites amen. If you understood, say amen. Oh, dites un grand amen. Say big amen. Dites encore amen. Say amen again. C'est pourquoi le nom Elohim. That one. The word Elohim. N'est pas lié avec sozo. It's not linked with sozo. Même J-V-H-U. Even J-V-H-U. N'est pas lié avec sozo. It's not linked with sozo. Parce que même quand il était J-V-H-U. Because when he was J-V-H-U. L'homme n'était pas tombé. The man still did not fall. L'homme n'a pas besoin d'être sauvé. A man didn't need to be saved. Si vous comprenez ça, dites amen. If you understand, say amen. C'est quoi remarquer Frère Branham dit? Now, notice what Branham says. Après cela, after that, après cette étape là, after that stage, l'homme est tombé. Man has fallen. Il a péché. Sin. Est-ce que vous dites amen? You saying amen to that? Suivez, le péché est entré. Now, sin came in. La maladie est entrée. Sickness came in. Vous dites amen? You saying amen? Les problèmes sont entrés. Problem came in. Tout est entré. All things got in. Alors ici, now there, Dieu a besoin de devenir sauveur. God needs to become a savior. Ce qu'on appelle sozo. What we call sozo. Pour sozer les gens. To sozo people. To sozo the people, voilà. Pour sauver sozo les gens. Pour sozo les gens. To sozo people. On ne peut te sozo que si tu es perdu. You can only be sozo if you are lost. Or avec le nom Elohim. Now with the word Elohim. Il n'y a pas de sozo. There is no sozo there. Avec même Jéhovah. Even with Jehovah. Il n'y a pas de sozo. There is no sozo there.
Parce que sozo, il doit être sauveur. Because sozo, he has to be savior. C'est pourquoi Frère Branham dit les premiers jours. That's what Branham means. Voyez-vous, personne ne les connaît. He says, no, you know that nobody knows. Savez-vous que le nom Jéhovah n'existe pas? Do you know that the name Jehovah does not exist? Mais dites amen à Frère Branham. Say amen to Frère Branham. Le docteur Livel, vous savez que les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Dr. Livel, do you know that translators could not translate it? C'était J-V-H-U. It was J-V-H-U. Ils n'ont pas pu le toucher, ils ne savaient pas. They do not know. Regardez, chaque fois qu'une victoire est remportée, il y a un nom qui change. There is a name changing. Gagnons le temps. Let us il a parlé de Saul, de ceci, de Jacob. Saul, ça Jacob dit, Jésus, son nom sur terre. It says Jesus, his name on earth. C'était rédempteur. It was redeemer. Quand il était sur terre. When he was on earth. C'est vrai, mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts. But after he conquered death and Hades, il les a vaincus. He overcame. Il est monté au ciel. He went il a reçu un nom nouveau. He received a new c'est name. La raison pour laquelle que vous criez comme il le faut, il ne reçoivait pas. That's why you shout away, you shout, but yet do not receive. Ce serait révélé à l'étonnant. It will be revealed in the thunders. Si vous croyez, dites un grand amen. If you believe, say a big amen. Il dit encore ceci. He says again this. In question and answer. After Abraham said this, he says. COD, he says. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans différentes dispensations? He says, did God's name change in different dispensations? Question 338. Oui, question oui, oui. 338. Il était appelé Jésus. Yes, yes. He was called Jesus. Il était appelé Jéhovah. He was called Jehovah. Il a changé de nom des fois. He changed names. La dernière fois qu'il a changé, the last time he changed, quand Dieu a été fait chair, when God was made flesh, il a pris un nom humain. He took a human name. Dites amen. Say amen. Jehovah. Jehovah. Je suis. I am. Tous ces noms-là, all those names, ce ne sont que des titres. They are only titles. Un seul nom. Of one name. Si vous vous faisiez baptiser au nom de Jehovah, if you are baptized in the name of Jehovah, vous dites amen. Are you saying il amen? Faudra que ça soit au nom de Jésus-Christ. It has to be in the name of Jesus Christ. Si vous faisiez baptiser au nom de Jehovah Rapha ou Jehovah Manasseh ou Jehovah Jireh, if you are baptized in the name of Jehovah Rapha, Jehovah Manasseh or Jehovah Jireh, il faut que tu sois baptisé vraiment. You must be baptized again, really. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Who can say a big amen? Avant Abraham appelé Jésus ainsi de suite, before Abraham he called Ahem, c'était des titres qui appartiennent dans un seul nom humain qui est le Seigneur Jésus Christ. Those are only titles that becomes to one human name, which is the Lord Jesus Christ. J'ai beaucoup de citations ici pour vous. I have many quotations here for you. Mais essayons de gagner le temps ici pour then terminer les sozo. So that we can finish with the sozo. Remarquez maintenant avec Elohim, c'est pas le nom de sozo. Now with Elohim, it's not the name of sozo. Même Jéhovah, c'est pas le nom qui peut invoquer le sozo pour vous. Even with Jehovah, it's not the name that you can call to call upon the sozo. Parce que Elohim, il existe par lui-même, rien n'est perdu là-bas, rien n'est tombé. Because Elohim, which exists within himself, there is not, there was nothing. Quand il crée l'homme dans sa position, c'est Jéhovah. When he creates a man in his position, it's Jehovah. Mais il voulait trouver un nom. But he wanted to find a name. Au travers duquel, through which, il peut te sozo. He can sozo you. C'est pour cela dans Matthieu là on a lu. That's why in the book of Matthew where we read. Quand on parle de sa naissance, when we speak about his birth, on dit que on lui donnera le nom de Jésus. They said you'll be given the name of Jesus. C'est lui qui sera le sauveur. The one that he will be the savior. C'est lui qui savior. Va faire le sozo. He will do the sozo. C'est vrai tout le monde qui l'a rencontré. That's why everyone that met même him. Même la femme à la perte de sang. Even a woman with a blood issue. Il dit tu es sozo. He says you are sozo. Tu as été sauvé. You were saved. Maintenant pour les croyants qui vont suivre les. Now for the believers that will follow the steps. Laissez-moi lire ça parce que c'est très bon. Let me read it because it's wonderful. Vous devez naître de nouveau. You must be born again. Frère Branham dit. Branham says. Nous venons maintenant dans la présence de Dieu vivant. We coming now in the presence of the living God. Solennellement avec crainte. Solennellement with fear. De sa personne. Of his person. Nous venons au nom du Seigneur Jésus Christ. We coming in the name of the Lord Jesus Christ. Oh, je pensais attendre un grand amen. I thought I would hear a big amen. Sachant que. Knowing that, nous ne pourrions pas venir en disant maintenant, Père, me voici. But knowing that, you cannot come and say, Lord, behold, here I am. Au nom William Branham. Saying, coming in the name of William Branham. Ou Orman Neville. Or Orman Neville. Ou n'importe qui. Or ever. Sans être renvoyé aussitôt. Without be sent out of the presence. Mais nous avons l'assurance. But we have got assurance. Parce qu'il a dit qui que ce soit que vous demanderez au Père en mon nom. Because he says, what? Ever that you'll ask the Father by my name, it will be granted unto you. Ainsi,
Therefore, je ne crois pas, I do not believe, que je pourrais obtenir, that I can obtain or receive, quoi que ce soit de lui, ever from him, en se servant de mon nom William Branham, by using my name William Branham. Mais je sais que, but I know, lorsque j'utilise le nom de son fils, when I use the name of his son, ma requête est exaucée. My request is answered. Pour les faux frères, for the false brothers, qui détruit ce message, that are destroying this message, qui prie au nom de Branham, that are praying in the name of Branham. Le nom de Branham ne peut pas vous sozo. The name of Branham cannot sozo you. Je vais attendre un grand amen. I want to hear a big amen. Ça, c'est Branham lui-même qui parle. This is Branham himself speaking. You cannot say, Lord, je viens pour que tu me sozo, I come here to sozo me au nom de Branham. In the name of Branham. Frère Branham dit, tu seras chassé. Frère Branham said, you'll be cast out. Tu seras renvoyé. You'll be sent away. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. Mais nous avons l'assurance. But you've got assurance. Si nous voulons le sozo, if we want the sozo, il y a un seul nom. There is only one name. De la rédemption. Of redemption. Pour le sozo. For sozo. Hallelujah. Hallelujah. Ce n'est pas Elohim. It's not Elohim. Ce n'est pas Jehovah. It's not Jehovah. Mais c'est Jésus but Christ. It's Jesus Christ. C'est le nom qui sauve. It is the name that saves. That's why the Bible confirms that. Lisons ça ici. Let us read it here. Acte des apôtres. Act of apostles. Oh, c'est merveilleux, sozo. It's wonderful, sozo. Vous devez connaître quel nom va vous donner le sozo. You must know which name will give you the sozo. Pas n'importe quel nom. Not any other name. Acte des apôtres. Act of apostles. Parce que les faux frères. Because false brothers. Ils commencent à utiliser les faux noms. They are now using the false name. Ils n'auront pas le sozo. They won't have the sozo. Mais nous voulons les sozo, n'est-ce pas? But we want the sozo, don't we? Être sauvé spirituellement. Being saved spiritually. Matériellement. Materially. Il n'y a de salut. There is only salvation. Acte chapitre 4. Acte chapitre 2. Le verset dit, sachez-le tous. Know it all. Et que tous les peuples d'Israël le sachent. That let all the people of Israel know. C'est par le nom de Jésus de Nazareth. That it is through the name of Jesus of Nazareth. 12, il dit, il y a de salut en aucun autre nom. He says, there is no salvation in any other. Guy, parce que salut vient du sozo. Because salvation comes from sozo. Dites un grand amen à cela. Say a big amen. Il y a de sozo en aucun autre nom. There is no sozo in any other name. Je vais attendre tout le monde dire un grand amen. I want everyone to say a big amen. Un grand amen à cela. A big amen to that. Il y a des sozo en aucun, aucun. There is sozo in none. Notre nom. No other name. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. That are above from heaven, no other name that was given that we should be saved. Seulement le nom de Jésus. Only the name of Jesus. Qui peut dire un grand amen à cela? Who can say big amen to that? C'est pourquoi même dans Romains. That's why also in Roman. Okay, les frères m'avaient demandé, il fait beaucoup de citations sur Bible. Because what brothers wanted to know. On va lire Romains. Verses. Romains. Roman. Le chapitre 10, le verset 13. Romans chapter 10. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, for whomsoever shall call upon the name of the sauvé. Lord, shall be saved. Le terme grec sera sozo. The Greek term will be sozo. Oh, le nom du Seigneur, c'est Jésus Christ. While the name of Jesus, the name of the Savior, it's Jesus Christ. Comment donc invoquera-t-il celui qui ne l'ont pas cru? Voilà. How then shall they call on him in whom they have comment not believed? Comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? And how shall they believe in him of whom comment they have not heard? Comment croiront-ils s'il y a personne qui prêche? And how shall they hear without a preacher? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas envoyé selon ce qu'il est écrit, qui sont pour les pieds de ceux qui annoncent la paix, and le shalom? How shall they preach except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Oh, je ne peux pas laisser ça. I cannot leave that. Ça là aussi. That also. Le seul nom qui donne le sozo. The only name which gives the sozo. Quand l'homme est tombé. When a man has fallen. Il a eu des problèmes. Had problem. Le nom qui donne le sozo. The name that gives the sozo. C'est seulement le nom Jésus. It is only the name Jesus. Jésus Christ. Jesus Christ. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? C'est un grand mystère ici. It's a great mystery also. C'est why Jésus a cinq lettres. That's why Jesus, the name la Jesus, grâce is five letters. Pour sozo les gens. Christ to sozo people. Et Christ a six lettres. And Christ has six letters. Je n'ai pas le temps d'approfondir ça. I don't have time to. Quand vous lisez dans Deux Rois, when you read in 2 Kings, Élisée a dit à cet homme là, Elijah said to that man, que tire la flèche. You must
Send away the arrow. Pour shoot the arrow. Les Philistins. To destroy the Philistines. Les Syriens, pardon. The Syrian man to say. Et l'homme a tiré trois fois. And the man shot three times. La Bible dit dans deux rois. The Bible says in 2 Kings. Élisée s'est fâché. Elisha got angry. Il dit tu devais tirer cinq ou six fois. He said you had to shoot five or six times. Et Frère Branham prêche une prédication là-dessus. And Brother Branham preached a sermon upon that. La flèche de la délivrance de Dieu. The arrow of God's deliverance. Dieu s'est fâché contre lui. God got angry against him. Parce qu'il a tiré trois fois. Because he shot three times. Trinité. Trinity. Père. Father. Fils. Son. Saint-Esprit. Holy Spirit. Pas de délivrance. No deliverance. Dites amen. Say big amen. Si tu es baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tu n'as pas le sozo. If you were baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, you still do not have the sozo yet. Il faut tirer cinq. You must shoot five. Ou six fois. Or six times. Ça parlait du nom de Jésus-Christ. It was speaking about the name of Jesus Christ. Cinq, c'est Jésus. Five, it's Jesus. Et six, c'est Christ. And six, it's Christ. La grâce, hein? The grace pour sauver l'homme. To save a man. Pour que Christ vienne dans l'homme. So that Christ may come in a man. Et 5, 6, et 56. And 5, 6, it's 56. C'est pour cela on va voir ça. That's why we will see it. Il y a un seul homme. There is only one man. Qui viendra au temps de la fin. That will come at the end time. À qui? In whom? Le 5 nom de Jésus. The 5 name of Jesus. Et Christ. And Christ. S'incarneront en lui. Will be incarnated in him. Et quand il va sozo les gens. And when you will sozo the people. Il mourra à 56 ans. You will die at 56 years. Et cet homme est là. And that man. C'est William Branham. It's William Branham. Sozo. Sozo. Il faut savoir bien tirer. You should know how to shoot. Faut savoir bien tirer. You should know how to shoot. Alors. Now. Remarquez que c'est le nom Jésus. Notice, it's the name Jesus. Le seul nom humain. The only human name. C'est pour cela. Pourquoi ça? Now, why that? Les gens ont dit à Frère Branham, dit Frère Branham. People said to Brother Branham, they said, Brother Branham. Est-ce que le nom là était aussi depuis l'Ancien Testament? Was that name also since the Old Testament? Malgré qu'ils utilisaient le nom Elohim. Despite the fact that they were using the name Elohim. Surtout Jehovah. Especially Jehovah. Mais le nom Jésus était dans l'Ancien Testament. The name Jesus was also in the Old Testament. Sous forme de mystère. In the form of a mystery. Lisons ça et on va arrêter là. Let us read this and then you'll stop here. Dans Genèse chapitre 15. In Genesis chapter 15. Si un diacre peut m'écrire ça au tableau rapidement pour qu'on termine. Quickly, a deacon write it for me on the board. So ici c'est le père de la foi Abraham. Here is the father of faith Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset premier. The first verse. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am the shield and thy exceeding great reward. Abraham répondit, Seigneur éternel, qui me donnera je n'en occupe sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est l'héritier de Damas. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I got childless, and the steward of the house is this Eliezer of Damascus. Et Abraham dit, and Abraham said, voici tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine. Et après l'avoir conduit dehors, il lui regardait vers le ciel, compte les étoiles, tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. And he is the believer. Je suis l'Éternel qui t'avait sorti d'Ur en Chaldée pour te donner en postérité ces pays. And he believed unto the Lord and he turned. Le verset 7. The verse 7, we can go to verse 7 directly. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur and Kadmos to give thee this land inheritance. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? And Abraham said, and said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit this? L'Éternel lui dit, and he said unto him, the Lord,
1. Prends une génisse de 3 ans. Écrivez 1. Génisse. 1. He said, take me an heifer of 3-year-old. Une chèvre de 3 ans. 2. 2. And a she-goat of 3 years old. Un bélier de 3 ans. 3. 3. And a ram of 3 years old. Une tourterelle. 4. 4. And a feather dove. Et une colombe. And a young pigeon. Abraham a pris tous ses animaux. 5. Hein? 5. And he took unto him all this. Les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. And divided them in the midst and laid each piece one against another. Il coupa tous les trois animaux. But he cut all the three animals. Il les mit face à face. He put them face to face, one against another. Mais il ne partagea point les oiseaux, les deux là, tourterelle et colombe. But the bird divided he not the two birds, the turtle dove and the pigeon. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. And when the fowls came down upon the carcass, Abraham drove them away. Au coucher du soleil, un profond sommeil fit tomber Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la CI. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and lo, a roar of great darkness fell upon him. À la maison pour gagner le temps. You can read it all at home for us, as for us to rush. Regardez ce mystère ici. Now, notice this mystery. C'est le mystère du nom de Jésus pour les sozo. Now, notice this is the mystery of the name of Jesus for the sozo. Ne ratez pas ceci. Please, don't you miss parce this. Abraham est le père de la foi. Because Abraham, he is the father of faith. Si vous croyez, dites amen. If you believe, say amen. Dieu dit à Abraham de prendre 5 animaux. God told Abraham to take 5 animals. Dans les 5 là, in the 5, en réalité, madame, il y a 3 animaux et 2 oiseaux. Abraham says, in reality, there are 3 animals and 2 birds. Il dit, c'est ça le nom de Jésus. And he says, that is the name of Jesus. J-E-S-U-S. 5 lettres du nom de Jésus. 5 letters of the name of Jesus. Mais il dit diviser la chèvre en deux. But he says, divide the heifer into. C'était l'offrande de la purification à Lévitique. It was the offering of purification. Diviser la chèvre en deux. Divide the goat into two. C'était le bouc Azazel pour nos péchés. It was the scapegoat for our sins. Diviser le bélier en deux. And the ram divided c'est l'agneau de Dieu qui ôte notre péché. He is the lamb of God that take away our sins. Et la tourterelle et la colombe c'était les offrandes pour la guérison. The turtle dove and the pigeon it was the offering for the healing. Ça dit J divisé de E, E divisé de S. It means J divided by E divided by S. Mais ES n'est pas divisé. But US it's not divided. Et après qu'il a fait ça, and after he did it, les oiseaux sont venus. The bird came. Et il s'est endormi. He was asleep. Madame dit une frayeur est venue. Madame says, an aura came et il a vu une fournaise. And he says, he saw a furnace. Il lit ça à la maison. You read it home. Et après, and afterwards, une lumière est venue. A light came. Et cela le sauva. And he saved them. C'est ça, sozo. That is sozo. Madame dit que cela veut dire. Madame says, that means. Dans Jehovah Jireh prêcha Indianapolis. In Jehovah Jireh preached in Indianapolis. Il dit remarquer 5 animaux. He says, notice 5 animals. Les 5 lettres du nom de Jésus. The 5 letters of the name of Jesus. Voyez-vous? Do you see? J divisé de E. J divided by E. E divisé de S. E divided by S. Mais US c'est ensemble. US is together. Non séparé. Not divided. Cela veut dire. That means. L'élite de Jehovah, the elect of Jehovah, qui nous sauve, that saves us. Le terme grec sozo, the Greek word sozo. Ça dit le nom Jésus veut dire, meaning the name Jesus means, et élite, elect, J Jehovah J V H J Jehovah J H V U. Le Dieu qui nous a créé, nous sommes sa famille. The God that created us, his family. S, c'est sauveur. And S, savior. Sozo. Sozo. US en anglais. US has to be written in English. L'ange a parlé à Branham en anglais. The angel spoke to William Branham in English. Il dit US n'est pas divisé. It says US, it's not divided. US en anglais, c'est as, c'est nous. US, it means us. Il dit que Jésus veut dire.
Jesus, he says, Jesus now means l'élite, the elect, le seul nom, the only name, la seule personne, the only person que Jehovah a choisi, that Jehovah has chosen pour nous sozo, to sozo us. Jésus veut dire, Jesus means l'élite de Jehovah, the elect of Jehovah. C'est ce que Branham enseigne ici. Branham teaches here. Jehovah l'a élu pour quel but? Jehovah elected him for which purpose? Pour nous sauver. To save us. Pour nous sozo. To sozo us. Qui veut dire un grand amen à cela? Who can say so amen? En dehors de Jésus. That's why, outside of Jesus, personne ne peut nous sauver. No one can save us. C'est pourquoi pour frère Branham. That's why for brother Branham. À ta révélation est l'équivalent. Even if the revelation is beyond your Branham understanding. Branham n'est pas notre sauveur. Branham is not our savior. Il dit que pour moi Branham. He says, for me Branham. Jésus est l'unique sauveur. Jesus is the only savior. Acclamons le Seigneur pour ça. Let us applaud the Lord for that. Jésus est l'unique. Jesus is the only. L'unique personne. The only person. Qui peut te sozo? That can sozo you. C'est le Seigneur Jésus-Christ. It's the Lord Jesus Christ. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe it, say big amen. C'est pour cela. That is why. Comment il te sozo? How does it sozo you? Sozo. Sozo. Il te sauve. It saves you. Spirituellement. Spiritually. Dites amen. Say amen. Il te sauve. He saves you. Physiquement. Physically. Il te sauve. He saves you. Matériellement. Materially. C'est quoi frère Branham dit? That's what Branham says. C'est Jésus là. That Jesus. A été ministère. Had two ministry. Pour le sozo. To sozo us. Il est né dans le corps de Marie. He is born in the body of Mary. Et il était le sozo de l'humanité. He was the sozo of humanity. Il était venu pour sozo l'humanité. He came to sozo humanity. Et il est mort à la croix. And he died at the cross. Il y a 2000 ans. There is 2000 years. Tes péchés étaient pardonnés. Your sins were forgiven. Il était coupé comme les animaux. He was cut like animals. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Son sang a coulé. His blood shed. Tu n'es pas sauvé aujourd'hui. You are not saved today. Je vais entendre un amen. I want to hear a big amen. Jésus t'a sozo il y a 2000 ans. Jesus sozoed you 2000 years ago. Je vais entendre un amen. I want to hear a big amen. Il t'a sauvé spirituellement. He saved you spiritually. Dites amen. Say amen. Physiquement. Physically. Matériellement. Materially. Il y a 2000 ans. 2000 years ago. Parce que. Because. Quand il est mort, c'était ça. When he died, that was it. Par son sang. By his blood. C'est pour te sauver spirituellement. It's to save you spiritually. Acclamons le Seigneur pour le sang de Jésus. Let us applaud the Lord for the blood of Jesus. Pourquoi tu dois rester dans le péché? Why must you stay in sin? Dans l'adultère. In adultery. Dans l'impudicité. In filthiness. Dans les mensonges. In lies. Dans l'escroquerie. In croaking. Pourquoi? Why? Il y a 2000 ans, il t'avait sozo. 2000 years ago, he sozoed you. Physiquement. Physically. Par ses meurtres. By his stripes. Madame, il a reçu 39 coups. Madame says, he received 39 stripes. Pour 39 grandes maladies. For 39 great sicknesses. Dans le monde entier, il n'y a que 39 grandes maladies. Les autres ne sont que les dérivés de ces grandes maladies. Barabalam says, in the entire world, there is only 39 great sicknesses that exist. Other sicknesses come out of those main sicknesses. That's why he had 39 stripes. Pour ta guérison. For your healing. Tu n'as pas droit d'avoir le sida. You don't have the right to have HIV. Ni le cancer. Or cancer. Il y a 2000 ans. 2000 years ago. Il t'avait sozo. He sozoed you. De toutes les maladies. For all sicknesses. Acclamons le Seigneur pour ses maîtres. Let us applaud the Lord for that. Ce n'est pas fini. That's not all. Il t'a sozo aussi. He sozoed you also. Pour le matériel. For materials. On lui a donné une couronne de pines. He was given a crown of thorn burns. Quand Dieu est venu juger le serpent, c'est il a maudit le serpent. C'est, il n'a pas maudit Eve, mais il a dit que l'homme dominera sur elle. He, when he came to curse the man, he cursed the serpent and he cursed Eve and he said the man will rule over her. Mais pour Adam, but notice for Adam, il n'a rien dit. He did not say anything. Il a dit, il y aura les épines et les ronces. He says there will be thorn burns. Ça dit, les problèmes matériels deviendront difficiles. Meaning material problems will become difficult. Tu travailleras avec ta sueur. You will work with your sweat. Mais il y a 2000 ans. But 2000 years ago. Il a porté la couronne.
crown. He had on the crowns of thornbirds. Des épines. Of thornbirds. Il a porté ta pauvreté. He carried your poverty. Dites un grand amen à cela. Say big amen to Acclamons that. Le Seigneur pour ses épines. Let us applaud the Lord for that. La croix. The cross. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? A donné trois sozo. Gave three sozo. Spirituel. Spiritual. Matériel. Material. Et physique. And physique. Dites un grand amen à cela. Say big amen to that. Dites un grand amen. Say big amen. Mais il y a eu sept âges de l'église. But there were seven church ages. L'homme a oublié ça. A man forgot that. Et il n'avait pas remis à l'homme l'évidence des vrais sozo. And he never gave back to man the evidence of the true sozo. C'est pourquoi le 28 février. That's why the 28th February. La photo est photographiée. The picture that was taken. Et le 8 mars, il descend. The 8th March, he comes down. J'ai vu un ange puissant qui descend. I saw a mighty angel coming down. Avec un livre. With a book. Le titre de propriété. The title deed. Quand il vient ici. When he comes here. Il ne s'incarne pas dans le corps Jésus. He's not incarnated in a body Jesus. Il s'incarne dans l'homme. He incarnates himself in a man. Christ personifié. Christ personified. Dans son prophète. In his prophet. Selon Luc 17:30. According to Luke 17:30. En ce moment-là. At that moment. Frère Branham dit. Branham says. Nous recevons la totalité de tous les sozo. We receive the fullness of all the sozo. The fullness of redemption. La plénitude de la rédemption. Le titre de propriété. The title deed. C'est la plénitude de sozo. It's the fullness of sozo. C'est pourquoi les anges sont étonnés. That's why the angel is astonished. Silence. Silent. Où est-ce qu'il va? Where is he going? Il entre dans un corps qui était né dans le péché. He gets in a body which was born from sin. La preuve qui nous a réellement sauvés. That is the proof that he surely saved us. C'est Dr. Branham preaches. Qui est ce Melchizedek? Who is this Melchizedek? C'est pourquoi il dit que quand il est dans la nuée dans Shalom. That's why in Shalom he said when he's in the clouds. Il dit Shalom. He says Shalom. Une paix. A peace. Salem. Salem. Une sozo. A sozo. Pour son peuple. For his people. C'est pour cela mes frères. That is why brothers. Aujourd'hui, today, pour que Dieu prouve ça, for God to prove it, dans le ministère Omega, in a ministry Omega, au travers de William Branham, through William Branham, quand tu writes, when Artie writes, a cru à ça, believed it, c'est la vérité, frère Branham. That's the truth, Brother Branham. La voix a dit, the voice said, demande, ask, tout ce que, all that, tu veux, you wish. Je vais entendre un grand amen. I want to hear a big amen. Demande, ask, tout ce que tu veux. All that you wish. Si c'est un problème spirituel, if it is a spiritual problem, tu auras le sozo. You will have your sozo. Si c'est le physique, if it is a physical problem, tu auras le sozo. You will have the sozo. Beaucoup de frères disent, many brothers says, même matériel, even material, oui, yes, et le jour là. That day, quand ce sozo était donné, when that sozo was given, pourquoi? Why? Antirite a crié à la B1. Antirite believed the anointed garment. He says, Brother Branham, I believe it's the truth. Après que tu as cru Dieu le Père, after you believe God the Father, tu crois le Fils, you believe the Son, tu crois le Saint-Esprit, you believe the Holy Spirit, tu n'as pas la vie, you still do not have the. Tu n'as pas le sozo, you still do not have the sozo. Dieu veut que tu croies à William Branham. God wants you also to believe in William Branham. Comme l'un d'entre eux. As one of them. Qui peut dire un grand amen? Who can say le sozo vient dans l'homme pour être remis dans l'homme. The sozo comes through a man to be given to a man. Après que tu as cru à William Branham. After you have believed in William Branham. Dieu veut que tu croies à Zakola. God wants you also to believe in Zakola. Comme l'un d'entre eux. As one of them. Là c'est dur. That's not hard. Bon, comment tu me croiras? How will you believe me? Si tu me vois avec la colonne de feu, is it if you see me with a pillar of fire? Oh les anges, or angels? Non, ne me crois pas. No, don't believe me. Oh les guérisons, or healing? Ne me crois pas. Don't you yet believe me? Comment tu dois me croire? How will you believe me? Frère Branham me dit. Frère Branham says. Quand ton pasteur est à la chair, when your pastor is on the pulpit, si répète la parole, if he repeats the word, l'ange du Seigneur sera là. The angel of the Lord will be there. Et
lui-même le pasteur, c'est un ange de Dieu pour vous. And the pastor himself is the angel of God for you. Il faut croire au sozo que ton pasteur te donne. You must believe the sozo that your pastor gives you. Parce que tout passe par l'homme. Because all passes through a man. Le problème d'amen, vous devez me croire. The problem of amen, you must believe in me. Ne regardez pas ma chair. Don't you look at my flesh. Ma chair a des faiblesses. My flesh has got weaknesses. J'ai mes fautes, j'ai mes erreurs. I've got my mistakes and my faults. Ça, ce n'est pas Jésus. That's not Jesus. Mais le don que je vous prêche, but the gift which I'm preaching to you, c'est la Bible de Dieu. That is the anointed garment of God. On dit un grand merci. Say a big amen to that. Une église qui croit son pasteur, a church that believes in his pastor, reçoit tout ce qu'il veut. Receive all that they need. Because he is the anointed garment. Et le jour là, and that day, at the right, a dit à Frère Branham, said to Brother Branham, je n'étais pas là dans le champ. I was not there in the field. Mais c'est la vérité. But that's the truth. Quand il a dit ça, when she said it, Dieu était content. God was happy. Dieu est venu dans le sozo. God came in the sozo. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Il y avait sa sœur. There was the sister, et sur le pied là, who was crippled. Il pouvait recevoir les sozo physiques. She could have received the physical sozo. Il avait ses enfants là. There was the daughter, the children qui ne croyait pas. That did not believe. Il pouvait recevoir les sozo spirituels. He could receive a physical sozo. Il avait la pauvreté dans sa maison. Amen. There was poverty in a house. Il pouvait recevoir les sozo matériels. She could have received the material sozo. Toutes les trois conditions étaient réunies. All the three conditions were there. Mais lui l'a choisi. But she chose. Je vais arrêter là maintenant, réveillez-vous. Now I'm going to stop here, wake up. Parce que c'est vous à Turoi du 21e siècle. You are the 21st century at Turoi. Je parle à Turoi du 2014, le 7 décembre. I'm talking to Turoi of 2014, the 7th of December. Mais je ne veux pas que tu sois Tony Isabelle. But I don't want you to be Tony Isabelle. Lui l'avait douté. He doubted. Donc je suis devant Turoi ou Tony Isabelle. Before Turoi. Tony Isabelle. Et c'est moi Branham dans la continuité. I am Branham in continuity. Vous croyez ça? Do you believe it? Je répète ici Frère Branham. I'm repeating here Frère Branham. C'est moi sa continuité. In his continuity. Maintenant tu sortiras ici. Now you go out of here. Soit. Either. Comme Tony Isabelle. As Tony Isabelle. Ou tu sortiras. Or you go out of here. Comme at your right. As at your right. Mais ça dépend de tes besoins. But it depends with your needs. At your right, tous les trois étaient là. At your right. Hallelujah. All the, amen. At your right, all the three were there. Ces enfants étaient malades spirituellement. Amen. The children of at your right were sick spiritually. Ils n'ont jamais le Saint-Esprit. They never had the Holy Spirit. Ils riaient même. They were even laughing. C'était un blasphème. That was a blasphemy. C'est une maladie spirituelle. That is a spiritual sickness. C'est la vérité? Is it the truth? Sa sœur était là. The sister was there. Estropiée. She was crippled. Une maladie physique. A physical sickness. Dites un grand amen à cela. Say a big amen. Sa maison était là. The house was there. Pauvre. Poor. Par année. Years. Il gagne $25. In a year, she only have $25. Pauvre. Poverty. Matériellement. Materially. Mais le sozo est venu. But the sozo came. Demande ce que tu veux. Ask all that you will. Lui l'a vu que. She saw that. Ma sœur, si elle est guérie. My sister, even if she's healed. Demain, si elle meurt. Tomorrow, if she dies. Elle mourra encore. If she's elle ira tomorrow, au ciel. She'll die and go to heaven. Si je reçois le matériel. If I receive the material. Demain, je vais mourir, je laisse ça. Tomorrow, I'll die, I'll leave it. Mais deux enfants ici. But my two children here. Ils n'ont pas la vie éternelle. They don't have eternal life. Et il s'est rappelé de ce que je vous ai dit au début. And she remembered what I told you at the beginning. Elle n'était pas pentecôtiste. She was not a Pentecostal. Elle savait que. She knew that. Cherchez premièrement. Seek ye first. Le royaume. The kingdom. Il dit comme mes deux enfants n'ont pas le salut. She said, has my two children not have salvation? Moi, je demande d'abord le sozo. First of all, ask for the sozo. Pour leur salut. For their salvation. Et Branham a dit. And Branham said. Je te le donne. I give it unto you. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. And they received the Holy Spirit. Instantanément. Immediately. Dites amen. Say amen. N'allez pas aux États-Unis. Don't you go to United States. Pour venir me dire. And to come back and tell us. No, I was there. Oh, ils n'ont pas le Saint-Esprit. There's not the Holy Spirit. Ils ont reçu ça le même jour. They received it the same day. Et ils ont reçu le sozo spirituel. And they received the spirit.
soul. Et ce matin ici, and this morning here, si tu n'as pas le Saint-Esprit, if you don't have the Holy Spirit, par l'autorité de la parole, by the authority of the word, recevez ton soul, receive your soul, soul. Reçois le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit. Mais pour nous, amen. But now, for us, amen. Nous avons déjà été sauvés spirituellement. We were already saved spiritually. Qui sont déjà sauvés spirituellement ici? Who is saved spiritually here? Put up your hand. Maintenant, vous. Now you. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé deux fois spirituellement. You don't need to be saved two times spiritually. Hallelujah. Qui est sauvé physiquement ici? Qui n'est pas malade? Who is saved physically? You are not sick. Put up your hand. Qui est malade? Who is sick? Lève la main. Put up your hand. Good. Good. Qui ici n'est pas encore sauvé matériellement? Who here now is not yet saved materially? Put up your hand. Mais moi, je suis pas encore satisfait. Even myself, I'm not yet satisfied. Tu vas ici maintenant? You see now here? La majorité, levons le main. Majority, let us put up la our majorité hand. Ici. If you are not saved materially, put up your hand. Matériel. Majority are sick materially. Moi? Now I. Moi, je n'ai pas un enfant qui a besoin du Saint-Esprit. Well, I don't have a child here who needs the Holy Spirit. Mes enfants évoluent dans la parole. My children are moving forward well in the word. Et mon corps, je suis en bonne santé. And my body, I'm well, in good health. Mais ce que moi j'ai besoin dans cette prédication, what I need in this preaching, c'est le sozo matériel. It's the material sozo. Pour mon église, for my church, pour mes brebis, for my sheep, et pour moi-même, and for myself. Toi aussi, you also. Je ne sais pas les sozo que I tu don't know the sozo that you need. Mais aujourd'hui, but today, sozo veut dire, sozo means, être sauvé, being saved, spirituellement, spiritually, physiquement, physically, et matériellement, and materially. Si tous les trois tu n'as pas, if all the three you don't have. Ta place est à l'hôtel. Your place at the altar. Réclamez ça. Claim it. Je veux le sozo. I want the sozo. Spirituellement. Spiritually. Physiquement. Physically. Matériellement. Materially. Dieu te les donnera. God will give it to you. Et ce que j'ai dit ici. And what I said here. Je ne répète que ce que les prophètes ont dit. I only repeat what the prophet said. Et ce n'est pas mon message. And it's not my message. Je vous lance un défi. I'm challenging you. J'en ai assez d'une équipe de pauvres et de malheureux. Enough of church of poor, of miserable people. Dieu peut donner le sozo. God can give you the sozo. Parce que nous avons le nom. Because we've got the name. Le nom de Jésus-Christ. The name of Jesus Christ. L'élu de Jéhovah. The elect of Jehovah. Qui nous donne les choses. That gives us the sales. Tout est là, mes frères. All things are here. Alors nous devons faire comme Caleb. Then we must do like Caleb. Va vers le Saint-Esprit. Go to the Holy Spirit. Le Saint-Esprit qui a péché ici. The Holy Spirit that has preached here. Dites-lui Saint-Esprit. Say unto the Holy Spirit. Donne-moi ma montagne. Give me my mountain. Donne-moi mon sozo. Give me my sozo. Voyez-vous que le Seigneur peut le faire. Do you believe that the Lord can do it? Lève nos mains à lui. Let us lift up our hands to him. Let us stand up. Et chantons un cantique. Let us sing a song. Chantons ce cantique ici. Let us sing a song here. Chantons à Dieu. Let us sing to God.